Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis Franck Payen et je vous reçois aujourd'hui sur la chaîne YouTube Adobe France et aujourd'hui je reçois Frédéric Vigneault, bonjour. Bonjour à tous. Frédéric qui est dessinateur de bande dessinée. Ouais, c'est ça, dessinateur de bande dessinée. J'ai quelques bandes dessinées à mon actif, mais les dernières, c'est que je suis le repreneur donc, de Torgal. Donc le Torgal qui vient de sortir il y a quelques jours. Voilà, je me suis occupé du dessin et j'ai travaillé dessus. Le dessin, la couleur de la couverture, c'est toi aussi? Alors, il y a deux couvertures. Il y a deux couvertures? Voilà, il y a deux couvertures, parce qu'il y a une édition normale et une édition juste pour la FNAC. Mm-hmm. Donc moi, je me suis occupé de l'édition de la FNAC. D'accord. Et l'édition normale, c'est Grzegorz Rosinski qui s'en est occupé. Qui s'en est chargé, comme d'habitude, parce que c'est quand même le plus... Ah bah, c'est, quand même, c'est quand même sa série et ses couvertures sont emblématiques. Ouais. Tout à fait. Et avant, je dessinais sur une série dérivée de Torgal, qui D'accord. faisait partie des mondes de Torgal. Les mondes de Torgal, et du coup, quel était ton personnage sur, enfin, quel est... Alors, parmi les mondes de Torgal, il y a plusieurs séries parallèles, ouais. Hein, il y a plusieurs arcs narratifs. Il y a une série qui était consacrée à Louvre, qui est terminée. Mm-hmm. Ouais. Il y a une série qui est consacrée à la jeunesse de Torgal. Ouais. Et il y a une série qui est aussi terminée, qui était consacrée à Chris de Valnor. D'accord. Et je m'occupais donc de cette série et j'ai réalisé les deux derniers épisodes. D'accord. Voilà. Plutôt chouette, beau, ouais, ouais, beau, ouais. Beau panorama. Je sais que si on te cherche en ligne, t'es pas forcément très présent. Tu m'as dit que t'avais un Facebook sur lequel t'étais très Facebook, actif. Facebook, c'est ça. C'est ma partie émergée la plus active. Le ouais. Instagram, il est un petit peu pauvre. Attends, je vérifie juste un truc. Ouais, mais le Facebook, au final, il est en fond quand je travaille. Donc c'est là où je suis le plus réactif et j'essaie de répondre. Tu réponds aux gens dans la minute. Voilà. Ouais. Donc sur ta page Facebook, on peut voir du coup tout ton boulot. Hop, j'aimerais bien juste désactiver tout mon boulot. Ouais, les pièces choisies de mon boulot. Ouais, parce que c'est toi qui fais la curation quand même de ton Facebook. Voilà, c'est ça. Donc je montre ce qui est montrable ou pas. Enfin, ça dépend des avis de chacun. Après, il n'y a pas forcément de Torgal, parce que simplement, c'est vrai que les infos, là, ils viennent sortir, donc pour ne pas spoiler, on n'a pas trop. Vous n'avez pas tout mis dedans. Mis d'informations, non. Voilà. Mais du coup, effectivement, si les gens maintenant veulent voir un peu où t'es en dédicace, où on peut te suivre et tout, ce sera plutôt à cet endroit-là. Moi, je poste mon actualité. Après, c'est aussi relayé par le site du Lombard pour l'actualité Torgal. Et aussi par un site super bien fait qui est torgal.com. Torgal.com qui est le fan club un peu. Le fan club. Et en fait, y a plus d'infos presque que sur mon Facebook. Donc, tu as redécouvert des parties de ta vie sur Torgal.com qu'ils assemblent plein de sources d'informations à droite à gauche, des interviews, plein de trucs. Et au final, si on veut voir quelque chose d'exhaustif, on va sur Torgal.com, la page Frédéric Vigneault, et on a tout. On a du Facebook, de l'Instagram, on a des interviews, on a plein de choses. Donc oui, voilà pour ma présence sur le web. Sur le web, comme ça les gens pourront retrouver ça. Tout à l'heure, je vous mettrai quelques liens pour ceux qui arriveraient en retard, pour ceux qui se demandent comment on le retrouve, etc. Moi, je t'ai rencontré la première fois sur les masterclass Yamag. Ouais, c'est ça. Donc c'est un événement sur lequel on était assez présent avec Adobe, avec justement énormément de grands artistes, énormément de gens talentueux, sur scène, mais aussi dans le public. Ouais. Parce que c'est au détour, détour d'une conversation. Bien modestement, quand on voit les artistes de classe internationale qui sont quand même assez journées organisées par Patrice, c'est vrai que même il doit y avoir d'autres personnes qu'on ne connaît pas qui ont tout autant de classe. Qui ont tout autant qui ont un pedigree assez fourni. Cool. Oui, et puis en plus, ces journées-là sont vraiment très, très intéressantes. Moi, je trouve que c'est une veille artistique. Comme on travaille en bande dessinée plus ou moins chez soi, c'est vrai que c'est important d'avoir des gens qui communiquent autour de nous pour apprendre de belles choses et se mettre au fait des dernières technologies, même si sur Yamag, comme il y a la clause de confidentialité, ils peuvent pas montrer tout de suite ce qu'ils sont en train de se... Mais c'est intéressant de se mettre au fait des derniers logiciels, des dernières techniques et aussi artistiquement. Moi je sais quand je sors de ces journées, ça... J'ai envie de conquérir le monde. Ça te redonne envie de dessiner. Ça. Alors, pour ceux qui seraient intrigués et qui n'ont pas forcément suivi ce qu'on faisait avec Yamag,
On a sur Yamag en fait une. C'est yamag.co qui présente alors des portfolios, des projets d'artistes en général, des images. Alors ça tourne beaucoup autour du cinéma, de l'illustration, du jeu vidéo, etc., du concept art énormément. Oui, concept art, pas mal. Et ils ont fait. Ils font régulièrement ce qu'ils appellent les masterclass, masterclass.yamag.co. Donc nous on y est présent tous les ans. Si vous suivez un petit peu ce qu'on fait sur la page YouTube Adobe France, il y a une partie française de Yamag qui s'appelle france.yamag.co, et c'est là où on fait toutes les sessions Art and Talk. Donc je reçois d'ailleurs dans une semaine maintenant Gaël Séguillon, qui viendra nous parler de son travail sur notamment Ready Player One. Super. Quand même un peu cool. Ouais. Mais pas que. Enfin, vous viendrez voir, il y a pas mal de sujets là-dessus. On a les sessions live régulières avec les artistes, donc vous voyez, Alexis Rive, Jérémy Payotin, Fred Ogis, Nicolas Weiss qui est passé avec nous, Sparte, Nicolas Bouvier, énormément de monde. Vraiment, si vous êtes branché dessin, venez regarder un peu ce que font les auteurs avec lesquels j'arrive à passer un petit peu de temps. Et puis si vous êtes sur Paris, comme vous pouvez le voir, sur les Art and Talk, ce sont des sessions sur lesquelles on a la chance de pouvoir rencontrer des auteurs francophones. Oui, c'est ça. Et puis je trouve que c'est encore plus convivial. On est encore plus proche des personnes qui y sont, puisque moi j'y suis venu déjà une fois en tant que spectateur. Hein. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Et puis même on peut parler avec le staff, chose qu'on peut pas forcément faire à Yamag parce qu'ils sont, il y a tellement de choses à faire. On les voit filer dans tous les sens. Ah bah, c'est pour ceux qui seraient intéressés sur ça, hein, des portfolio reviews, du concept art, des masterclass énormément. L'année dernière, donc là je suis bien sur 2020. Donc tous les artistes qui sont annoncés et qui seront présents sur place, il y en a énormément. Pour les gens qui seraient comme moi dans l'illus un peu traditionnel, on a Ian McHugh qui va être là, Mateusz Urbanowicz. Pour les gens qui sont plutôt dans le cinéma, vous allez voir que vous allez être gâtés aussi parce qu'il y a tellement de choses à voir. Si jamais vous vous dites tiens j'aimerais bien découvrir ça mais j'ai pas encore eu l'occasion, il y a une bibliothèque, une librairie en fait des différentes sessions, et on peut regarder tranquillement de la maison, c'est dispo. Je crois qu'ils ont fait une application Android, une application iOS. Ça j'ai pas vu, mais c'est vrai qu'il y a toute une partie du site qui est consacrée à ça. C'est vraiment super. Mais revenons à nos moutons, à toi. Donc si je vais sur ton Facebook, nous permet d'avoir un peu des images. Ouais, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a surtout autre chose que de la bande dessinée. Parce que c'est vrai que quand on est artiste et qu'on dessine, on a envie de faire plein de choses, mais on est pris par le temps, et la majorité de notre temps disponible, on fait de la bande dessinée. Ouais. Et notre récréation, effectivement, on fait d'autres choses. Donc tu as des petits concepts, des illustrations qui m'ont permis, en fait, ce qui est pas mal. Ouais. Ça permet de tester des choses, et c'est ce qui a lancé aussi mon envie de faire des couvertures. On verra ça par la suite. Hein. D'accord. Mais il y avait pas mal de couvertures, de techniques à acquérir justement pour faire en sorte que ce soit un petit peu traditionnel et que ça fasse pas illustration de jeux vidéo, des trucs super patinés, qui est vraiment des traces de broche, d'acrylique, d'aquarelle. Moi mon intérêt, c'est d'essayer de recréer une sensation de traditionnel et pas une image hyper léchée. Et alors, quand tu dis recréer une sensation de traditionnel, tu m'ouvres une question. C'est, est-ce que toi, tu as démarré en tradi et tu as glissé vers le numérique? Enfin, moi, j'ai un peu ton parcours. Je sais le faire en tradi. Ouais. Et pour pouvoir faire quelque chose en numérique, il faut savoir déjà ce qu'on recherche. Mmh. Donc, c'est intéressant de savoir comment c'est fait à la base. Sinon, on va chercher, et puis si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne va pas trouver. Ouais, alors, moi, à la base, j'ai plutôt une formation scientifique. Ouais. J'ai fait des études scientifiques, j'ai fait du génie civil. Okay. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur de génie civil. Okay. Mais j'ai tout le temps dessiné. Et surtout, j'ai tout le temps fait de la bande dessinée. Moi, depuis tout petit, c'est de la BD que je voulais faire. Je sais que quand je suis allé une fois prendre des cours quand j'étais petit, et c'est vrai que, bon, maintenant, c'est plus la même chose, mais on m'avait installé devant une nature morte, ouais.
Et moi, quand je dessinais, je sais pas, je dois avoir 12-13 ans, en fait, je faisais une petite histoire, je dessinais pas la nature morte. Tu racontais. Et la prof disait, mais non, mais il faut que tu dessines en grand, tu occupes tout l'espace et tout. Et c'est vrai que je faisais mes petits trucs. Puis tu faisais déjà des timbres-poses, de storyboard et de... C'est ça, je faisais plein de petits trucs, alors qu'il fallait occuper l'espace. Et donc, en fait, j'ai très vite arrêté et j'ai fait de la bande dessinée par moi-même chez moi, en plus de mes études. En plus de, ouais, en parallèle, c'est-à-dire que t'es, en parallèle, ouais. T'es quand même resté. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Ah, c'est que bon, j'ai fait des études scientifiques. Après, j'ai passé des concours dans l'administration et j'ai été muté sur Lille. Mon école de l'administration était à Montpellier et j'ai demandé un poste sur Lille. Je me suis dit. Paris, c'est trop grand. Et puis comme quand on est dans l'administration, on propose des postes, c'est le bizutage. Hein, donc on propose les postes que personne n'a personne n'a envie de prendre. Voilà, donc c'est Paris et au-dessus de Paris. Et moi, je voulais pas Paris parce que je trouvais que c'était trop grand, assez petit, etc. Comme je venais de province, je me suis dit, je vais aller à Lille. Et à Lille, ben voilà, moi, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai pris mon travail dans l'administration, je me suis aperçu que c'est pas ce que je voulais faire, que j'avais envie de dessiner tout le temps. Et donc j'ai demandé ma mutation sur Paris, où il y avait des écoles de dessin. D'accord. Ce qui va répondre à la question de Viviane qui dit autodidacte, point d'interrogation. Alors, autodidacte, oui et non. Parce que l'école de bande dessinée que j'ai faite, c'était une école de cours du soir. D'accord. Donc j'avais 6 heures de cours dans la semaine qui étaient organisées. Il y avait le mardi soir, il y avait le mercredi, c'était un après-midi, et puis il y avait le samedi matin. D'accord. Mais maintenant, cette école, qui est l'école Jean Trubert, a évolué, parce que moi, quand je l'ai faite, c'est en 98, hein, donc ça fait il y a un petit peu de temps. Et maintenant, elle est située au but de Chaumont, et c'est une véritable école de bande dessinée et d'illustration, avec un cursus diplômant. Et c'est une des seules écoles qui a un véritable cursus diplômant type BTS à ce niveau-là. Mais moi, je l'ai faite quand c'était encore des cours du soir. Et à l'issue de cette école, ce qui était intéressant, c'est de parfaire mon dessin, mais surtout d'éviter tous les écueils, de corriger certaines choses. D'avoir du retour. Parce que d'avoir du retour, c'est un truc. Tu disais que tu dessinais tout seul chez toi au début. Ouais. Avoir un œil extérieur sur le boulot, c'est super important. Important, et puis surtout, c'est comme ça qu'on progresse. On progresse par les erreurs, et quand les gens mettent le doigt sur nos erreurs, après, il faut savoir prendre la critique. C'est tout un boulot. Et pas s'obstiner. C'est vraiment un travail de savoir prendre la critique. Donc, à l'issue de ce cursus, j'ai fait ça pendant 2 ans, 6 heures par semaine, j'ai préparé un dossier de bande dessinée. D'accord. Qui s'appelait L'ombre des anciens. J'ai fait ça avec un copain qui s'est occupé du scénario, qui s'appelle Eric Payaré. Et à la sortie de cette école, ça a été mon projet de fin d'année, de fin de cursus. Et après avoir eu mon diplôme, je l'ai présenté directement à une maison d'édition. Non sans avoir au préalable, depuis 2-3 ans, arpenté les festivals, les salons, pour savoir à qui présenter, comment présenter. Parce que présenter une bande dessinée, c'est vraiment le dossier. On ne dessine pas toute la bande dessinée. Oui, mais tu ne vas pas t'amuser à faire 48 pages. Non, c'est vraiment un salon de couleurs en plein. Donc on présente un dossier qui, si tu veux, on en parlera, hein, mais qui présente sous un certain format, qui présente un certain nombre de pages et certaines pièces justificatives, hein, certaines pièces de dossier. On a présenté le dossier à un éditeur qui s'appelait Pointe Noire. D'accord. Et qui nous a signé donc à la sortie d'ailleurs non ça c'est pas celui-là dossier, je vais avec le dossier que tu as. Qui nous a signé à la sortie qui m'a signé à la sortie de l'école avec Eric Payaré au scénario. Et c'était quoi ça s'appelait c'était... L'ombre des anciens. Donc je sais pas. Alors si est-ce tu que t'as l'ombre non, des là, anciens sur le Facebook tu n'auras pas. Par contre tu peux trouver la couverture de l'ombre des anciens quelque part. C'était chez Pointe Noire. Ouais, chaque coin d'ordinateur c'est mis en veille. Alors, est-ce qu'il existe Ouais, tu l'as là. Ouais. Voilà. Avec Gaël Autain à la couleur. D'accord. Qui, je pense, maintenant est dans le dessin animé, qui avait fait un truc super. En fait, c'est étonnant parce que quand on se repenche sur les travaux qu'on faisait avant, on se dit, mais comment on a pu signer? Ouais. Il y a quand même une énorme indulgence au niveau des éditeurs.
ou alors une non-connaissance, hein, je sais pas, je vais dire plutôt une indulgence, ou alors c'est le marché. Des goûts particuliers. Des goûts particuliers qui font que, au final, on a tous notre chance. Mmh. Et alors, d'avoir signé cette BD, ça m'a permis d'avoir une première carte de visite. Ouais. Pouvoir dire je suis un auteur qui est capable de finir un album. Voilà, c'est ça. Et au-delà de ça, vraiment qu'une carte de visite, parce que l'éditeur a mis la clé sous le paillasson le jour où on a sorti la BD. D'accord. Le jour même. Le jour même, le 18 juin, on sort la BD, il me reçoit dans son bureau, il me dit écoute Frédéric, tu as vu, depuis un petit moment, on a des problèmes financiers. Ouais. Voilà, tu as été super cool avec moi, tu n'as jamais trop demandé, parce que moi j'avais un boulot en parallèle, hein, ouais. Et j'étais encore dans l'administration à temps partiel. Il m'a dit, ben voilà, tu devais t'en douter, on dépose le bilan, donc ce que tu peux faire, puisque ta BD ne sera pas distribuée, avant de mettre tout ça au pilon, tu vas avec ta Punto dans les entrepôts, je te donne l'adresse et tu prends et le maximum de BD. Voilà, tu pars et tu récupères un maximum de BD. Et donc, t'as pas acheté une grosse bagnole avant pour en mettre plus ? Non, j'avais une Punto. Mais non, puisqu'on est sans le sou. Là. Bon, après, j'étais dans l'administration. J'aurais pu louer un camion ou prendre un 24 mètres cubes. Et non, et ce qui se passe, c'est que pendant un an ou deux, j'ai dédicacé mes propres BD ou en Que tu ramenais. Que je ramenais. Faisais chaque festival en Punto. Ouais, c'est ça. Mmh. Et donc, je me faisais inviter sur des stands des festivals. L'école avait un stand, donc j'étais invité sur le stand de l'école. À chaque fois, voilà. C'est le début d'un auteur de BD. Hein. Tout ne se passe pas sans accroc. Ouais. C'est la surprise. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas rigolo. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de... Voilà, donc début un petit peu difficile. Et ce qui se passe, c'est que j'étais donc dans l'administration. C'était un filet. Heureusement que j'avais conservé ça, puisque de toute façon, en bande dessinée, quand on n'a plus de projet, on n'a pas de chômage, on n'a rien du tout. C'est, T'es complètement en indépendant dessus. Ouais, voilà, c'est tout comme tous les indépendants. Ce qui fait que j'ai réintégré l'administration à temps plein. Et j'ai fait, avec mon comparse Éric Payaret, qui lui était physicien, il travaillait à l'agence, il travaillait chez Alcatel, dans l'aérospatial, on a fait des projets institutionnels, des projets de com, dans le spatial. Et ça a permis de patienter jusqu'à signer chez Le Lombard Time Toons, une trilogie de petites demoiselles, de jumelles qui voyagent dans le temps à la recherche d'objets, avec Jean-Christophe Derien au scénario. Alors attends, je recherche Time Twins. Time Twins, ça tu devrais trouver. Oui, mais je trouve pas. Ils l'ont pas mis sur ta page du Lombard, regarde. Ah. Dans la page des séries et la biographie. C'est que ils ne l'exploitent plus maintenant. D'accord, voilà. Ouais. Donc ils ont. On a fait tellement de ventes qu'ils se sont dit que. Que ils avaient déjà donné. Ouais. Time Twins, non, c'est passé un petit peu inaperçu. Donc c'est vrai que début difficile en fait, hein, début. Mais en même temps, c'est une bonne école. Hein, on reste humble. Donc Time Twins, les jumelles temporelles qui voyagent dans le temps. Chaque album avait une date différente. Ouais, c'est la date d'insertion dans l'époque. Dans l'époque, ouais. Donc on a fait ça, une trilogie. Pareil, au terme de la trilogie, on nous dit qu'on continuera pas la série. Donc panique, hein, faut trouver un autre projet. Et j'étais en contact avec Patrick Ourcade de chez Glénat, qui montait un nouveau label qui s'appelait Drugstore. Ah bah oui. Et j'ai signé chez lui. Il m'a dit, écoute Fred, ça serait bien que tu dessines de façon un petit peu plus réaliste. Essaie de forcer. Il m'a forcé à faire ça. Et on a présenté un projet. Je suis revenu avec Éric Payaret. Okay. Je voulais encore faire de la bande dessinée malgré cette première expérience. Chacha et Chaudet n'en ont rien à faire et continue. Voilà, il voulait continuer. Donc on a présenté L'Appel des Légendes. Là on y est. Voilà, on y est. L'Appel des Légendes, c'est un diptyque, donc histoire en deux tomes. Sur, en gros, le thème c'est les créatures de légende sont parmi nous, mais elles sont invisibles. Il n'y a que certaines vibrations qui peuvent les faire se révéler. Ouais. Elles émettent des vibrations plutôt, et il n'y a que les oreilles d'or, les personnes qui sont dans les sous-marins, qui ont une oreille un peu particulière, qui peuvent entendre ces vibrations et qui savent où les retrouver. Les retrouver, c'est ça. Ouais. Et donc ce premier diptyque, c'était autour de légendes celtiques. Et on aurait voulu en faire un second sur les légendes nordiques, mais encore une fois, le destin en a voulu autrement. Et on a arrêté au bout de deux tomes. Bon, ce qui est déjà plutôt pas mal. Ce qui était pas mal, ouais. C'est pas mal deux tomes. On avait signé pour deux tomes. Et Patrick, qui lui était vraiment partant pour
pour faire la suite, pour faire notre diptyque. Mm-hmm. L'éditeur, vu le peu de ventes qu'on avait fait, a dit non, donc il est un petit peu embêté, et il m'a mis, eh bien, c'est vrai que c'est bien ce qu'il a fait, hein, il m'a mis dans les mains de Didier Convard. D'accord. Et là, Didier Convard, effectivement, c'est un scénariste émérite qui a, qui a fait énormément de séries qui ont vraiment marché. Et j'ai travaillé sur, on a travaillé sur Le Pendule de Foucault. Ouais. Le Pendule de Foucault en partenariat avec Les Arts et Métiers. Et là, le challenge, comme effectivement c'était un scénariste émérite, c'était de pousser graphiquement l'objet un petit peu plus loin, quoi, d'essayer de se challenger. Donc déjà, ça passait par une couverture un petit peu plus réaliste, hein, donc, avec un traité un petit peu tradit. Et à l'intérieur aussi, c'est aussi un petit peu plus réaliste. Ça en fait partie ou pas, ça, je sais. Oui, ça en fait partie, c'est ça, oui. Et c'était du post-apo, donc déjà, ça a amorcé le virage de neige. Ça a amorcé les origines. Les origines de neige. Donc, la collaboration s'est très très bien passée. Et ils m'ont proposé Vercingétorix, ensuite, qui était le tome d'ouverture avec Philippe Lebel de la collection Ils ont fait l'histoire chez Glénat. Donc Vercingétorix, voilà. Donc là, tu as le panneau, ça c'était au Salon du Livre. Et c'est le panneau où ils présentaient la première année de la collection avec nos deux premiers tomes en haut à gauche, Vercingétorix et Philippe Lebel. Avec Christophe Regnault, Philippe Lebel, c'est Christophe Regnault au dessin. Et donc ça m'a lancé, et il y avait dans ce tome-là une scène de neige qui a bien plu à Didier Convard et Eric Adam, qui était co-scénariste. Et ils m'ont dit, écoute Fred, là le tome, le version historique, tu vas bientôt l'avoir terminé, est-ce que ça te dirait de travailler sur la mythique série Neige. Donc c'est une série qui a eu beaucoup de succès dans les années 90, qui était une série au long cours chez Glénat, il y a 13 tomes. D'accord. Ils avaient fait une préquelle qui s'appelait Neige Fondation, avec Didier Poli au dessin, Neige Fondation. Ouais. Et on a travaillé sur... nous, ils voulaient faire une seconde trilogie, puisque la première trilogie se terminait. Une seconde trilogie, Neige Origine. Et donc, ils m'ont demandé de faire le dessin. Donc là, tu as la couverture du tome 1 de Neige Origine. Et son tirage en très grand. Et son tirage en très très grand. En fait, c'est difficile à lire dans le métro. Hein, les pages font 4 kilos à tourner chacune. Alors ça, c'était au Salon du Livre. C'était le poster de présentation au Salon du Livre. Et donc, j'ai fait 3 tomes de la série Neige. Et dont des dédicaces, dont des dédicaces, plein de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que je commençais à avoir un petit peu de visibilité en termes de couverture. La couverture de Vercingétorix avait été remarquée. D'accord. Et celle de Neige était pas mal aussi. Et on m'a demandé, au tome 2 de Neige, il y a une autre collection qui se lançait, qui était la collection La Sagesse des Mythes, chez Glénat. D'accord. Et on m'a demandé de réaliser toutes les couvertures. D'accord. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait une équipe de direction artistique, avec une scénariste qui ferait tous les tomes, un directeur artistique qui chapeautait tout. Donc scénariste, c'est Clotilde Bruno, directeur artistique, c'est Didier Poli. Et pour unifier l'ensemble de la collection, puisqu'il y aura un dessinateur à chaque fois, puisque le dessin c'est le plus long à faire, donc si on veut sortir pas mal de BD, il faut pouvoir plusieurs dessinateurs pour sortir les BD. Et donc pour unifier l'ensemble, je me suis occupé des couvertures. De faire toutes les couvertures. Toutes les couvertures. Donc vraiment de l'illustration. Tu les as là. Ça c'est une affiche qui était dans le métro. Ça, c'est la question « Ils ont fait l'histoire ». J'ai cherché l'autre et j'ai pas trouvé. Sinon, il doit y avoir d'autres trucs. J'ai pas trouvé. Là, si, c'est la seule des mythes. Ça, c'est celle avec le Minotaure et toutes les couvertures en bas à gauche. Et c'est une collection chapeautée par Luc Ferry, qui est un féru de mythologie et qui... ça aussi, c'est dans le métro. De mythomanie. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au tome 2 de Neige, avec la collection Mythologie, quand on allait en librairie, j'avais pas mal de visuels qui m'appartenaient, entre les couvertures de Neige. Ouais. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris par la suite, quand on m'a contacté pour travailler sur Chris de Valnor, parce que le prochain projet là, c'est Chris de Valnor, dont je vais parler, c'est que Xavier Dorizon, le scénariste, avait parcouru les librairies pour trouver un nouveau dessinateur.
Et forcément, à un moment, j'étais un petit peu partout. T'étais un peu partout, t'étais dans tous les étals. Voilà, très grand public à Mythologie, j'étais en neige. J'avais Vercingétorix, tout ça, et c'était des couvertures qui visuellement étaient assez fortes. Et donc il s'est dit, ben, pourquoi pas le contacter. Donc il a demandé à l'éditeur Gauthier Van Merbeek du Lombard de me contacter pour travailler sur Christophe Valnor. D'accord. Donc c'est comme ça que je suis arrivé sur Les Mondes de Torgal. Et donc Les Mondes de Torgal, Chris qui... Chris de Valnor, là tu as... Ça démarre à peu près là, ou même un peu avant, quoi. Non, vas-y, remonte. Alors, avais... Pardon, il veut que je mette des likes. Voilà. T'étais très bien, là. Ouais, j'étais très bien, là. Oui, je fais aussi du jeu de rôle. Mon premier scénariste, Eric Paillery, faisait du Grandeur Nature avec moi. Ça explique des trucs. Ça, belle table lumineuse. Voilà, alors ça, c'est le tome 2 de Chris de Valnor. Et là, alors voilà. Ça, à gauche, c'est la couverture du tome 2 de Neige. Et à droite, c'est la couverture de Chris de Valnor, du premier tome. Et ça, c'est celui que tu as dessiné ou pas ? C'est celui que j'ai dessiné, ouais. Le premier tome que j'ai dessiné. Il y a eu deux tomes de Chris de Valnor et le Torgal qui vient de sortir. Donc là, on a parcouru à peu près l'entièreté de mon parcours. Et donc, sur Chris de Valnor, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les deux tomes. Et Grzegorz Rosinski... Côté de qui on te voit là. Voilà. On reconnaît pas comment de dos. C'est dit, après le... Alors, ce qui s'est passé, pour clarifier, Les Mondes de Torgal, il y avait les séries parallèles. Il y avait la série Torgal au milieu. Ouais. Et les deux séries parallèles, que sont Chris et Louv, se sont terminées pour faire en sorte qu'au tome 36 de Torgal... Elles se rassemblent. Les personnages se rassemblent enfin. Alors du coup, moi j'ai posé un petit peu la question aux gens qui nous suivent, parce que vous êtes quelques-uns à regarder très silencieusement, merci, dans les gens qui nous suivent ici. Donc il y a Viviane qui disait que c'était la BD de son enfance. Oui. Est-ce que tout le monde connaît un peu Torgal ou pas plus que ça? Est-ce que vous êtes tombé là par hasard et vous avez envie de regarder, ou est-ce qu'il y a des fans ultimes de Torgal? Parce que sur le site torgal.com que tu nous avais donné tout à l'heure, dans la partie auteur, il y a Rosinski et Van Ham qui sont les auteurs historiques. Oui. Dessinateur et scénariste historique, et puis il y a De Vita, Dorisson pour les scénarios, Sante, et puis Graza et Mariol, Mathieu Mariol qui a co-scénarisé les deux tomes de Chris de Valnor sur lesquels j'ai travaillé avec Xavier Dorisson. Et après, j'ai glissé. Et après, Surzenko, Vigneault sur les. Surzenko, Vigneault, Giulio De Vita. Parce que Chris de Valnor, contrairement à la série Torgal, il n'y a eu que Rosinski qui a dessiné. Les séries parallèles et dont Chris de Valnor. Il y a Giulio De Vita qui a commencé à la dessiner. Ouais. Et à un moment, il a voulu... Je ne sais pas trop exactement. Il me semble qu'il voulait scénariser. Il avait d'autres projets. Donc il a laissé la série. Et c'est Roman Surzenko qui a pris la relève. Un tome. Ouais. Et comme il faisait déjà Louv et La Jeunesse... Ça lui faisait beaucoup pour pouvoir tenir le rythme. Je pense qu'il aurait pu. Après, c'est vrai que c'est difficile en termes de qualité de faire trois tomes. Bon, après, ça dépend comment on travaille. Donc, ça a été décidé en commun accord qui se consacrait à la jeunesse de Torgal et à Louv, et qu'il fallait trouver quelqu'un pour Chris. Pour Chris. Donc c'est là que tu arrives. C'est là que j'arrive. Et donc, je dessine les deux Chris de Valnor. Et à l'issue, un peu avant la fin du second Chris de Valnor, on apprend que Grzegorz Rosinski arrêtera au tome 36, qui marque la réunion de tous les personnages. Et donc, qu'il cherchait quelqu'un pour prendre la relève. Voilà. Je ne sais plus où j'ai lu qu'il avait dit, de toute façon, la bande dessinée, c'est de 7 à 77 ans. C'est exactement ça. J'y suis, c'est bon. Tu m'as piqué ma maxime. Je suis désolé, elle est de lui, non? Non, enfin, elle est du journal de Tintin. D'accord. Du journal de Tintin, sur lequel j'ai découvert, j'ai lu les premières planches de Torgal. Oui, et le slogan du journal de Tintin, c'est la BD de 7 à 77 ans. Et donc, il a dit à 77 ans, j'arrête de faire de la bande dessinée, puisque... Puisque c'est... Voilà. Ah non, mais quand je disais qu'elle est de lui, oui, lui, il l'a utilisée réellement. Ah oui, c'est pas une spéculation des fans qui se sont dit que là... Ça non, oui, elle est de lui, oui, il l'a dit. Tout va bien.
Voilà, donc sur ce, mon travail sur Chris de Valnor lui avait plu aussi à sa famille, mm-hmm. à Piotr et à Piotr Brozinski, qui est son fils et qui s'occupe de la direction artistique de l'ensemble des mondes de Torgal. Hein, mm-hmm. de Torgal. Et donc, mon travail avait plu, donc c'est sur moi qu'est tombé cet immense cadeau de continuer et de faire perdurer la série principale Torgal. D'accord. C'est cool, ça. Donc ça c'est plutôt cool. Ouais, parce que alors, regarde, du coup tout le monde se réveille un petit peu, Jeff connaît pas du tout, Thierry est là par hasard, Jean Bûcher est lecteur de longue date, toujours adoré le dessin et l'univers pour Totem, il connaît de nom, n'est pas encore eu l'occasion de lire, déjà souvent croisé en bibliothèque ou en librairie, oui c'est clair, avec 37 tomes. 37 tomes, plus les séries, 7 de Louvre, plus 8 de Chris, plus 8 de la jeunesse de Torgal, ça fait beaucoup. Ça fait quand même un paquet d'albums. Ça fait un paquet d'albums. Faut avoir des bons rayonnages. Il y en a qui connaissent surtout le jeu vidéo, c'est ça, adapté de la BD? Ah, je ne savais même pas qu'il y avait un jeu vidéo, Alexis. En plus, on a Alexis Rive dans le public. Qui est venu il y a quelques semaines chez moi. D'accord. Enfin, chez moi, pardon. Sur la chaîne YouTube Adobe France. T'as vu comment je m'approprie les trucs. Bah ouais. Et qui est venu nous montrer un peu son... Pas qu'un peu, qui est venu dessiner avec nous et tout, c'est cool. Ouais. Voilà, je suis maintenant sur Torgal, mm-hmm. Qui vient de sortir il y a une semaine, enfin il y a le 8 qui est sorti le 8, donc je ne sais plus quel jour on est, mais qui est sorti là, jeudi dernier. Là, on est le 12. Voilà, et j'ai commencé à faire les premières dédicaces du marathon de dédicaces qui m'attend par les deux mois, pour les deux mois à venir. Les deux mois à venir, tu vas faire que ça, en fait. Oui, en gros, tous les week-ends, je suis à dédicacer ou en festival ou en librairie. Mm-hmm. Et le point culminant, ce sera donc Angoulême. Ouais. Angoulême, fin janvier. Et après, je stoppe un peu parce que, de toute façon, quand on dédicace, ça veut dire mm-hmm. qu'on passe les week-ends à faire que ça. Et c'est vrai que les albums avancent beaucoup moins vite. Donc, à partir de janvier, voilà, je lève un petit peu le pied pour me consacrer au tome 38 de Torgal. Très bien. Donc, c'est qui est déjà prévu, quel genre de phase? Moi, c'est écrit. Alors, qu'est-ce que tu as le droit? S'il y a des trucs que tu n'as pas le droit de dire, il n'y a pas de souci. Mais t'inquiète pas, je m'auto-censure. Tu sais comment ça marche. Il n'y a pas de souci. Non, il est le scénario est écrit et moi j'ai à peu près une quinzaine de pages storyboardées. D'accord. Donc et sur les 15 pages storyboardées, j'ai 2-3 pages ancrées. Ah bah c'est bien. Faudra que tu nous montres tout à l'heure justement comment ça se passe, un storyboard. Ouais. On va regarder ça. Si on a 3 heures devant nous, on est bon. Donc, je pense qu'on est pas mal. Je sais pas si tu vas faire le storyboard de tout Torgal devant nous. Mais non, je suis pas sûr. Je peux faire semblant de faire celui du précédent. Donc voilà, je sais pas si tu veux qu'on regarde des trucs. Oui, carrément. Réveille ton ordi. Je vais réveiller l'ordi, ouais. Tu vois. C'est bon, il est réveillé. Alors ouais, du coup, tiens, quand je repasse 15 secondes sur le Facebook. Mm-hmm. Donc, si on regarde sur le site, il présente cette couverture-là. Ça, c'est la couverture de Gégorge. Ouais. Ouais. C'est ça. Et toi, celle que tu as fait, c'est celle qu'on voit celle ici. C'est celle-là. Ouais. C'est celle-là, en essayant d'avoir un visuel le plus traditionnel possible, bien que ce soit fait en numérique. C'est que du numérique. C'est là, que du numérique, 100% numérique. Ouais. Et donc le but, voilà, c'est pas de faire quelque chose de super léché, c'est de faire quelque chose qui soit dans le style des couvertures précédentes. Il faut trouver les textures, les outils, tout ce qu'il faut. Et du coup, t'as suivi toute ta prod, là, le 20 septembre, t'étais sur les machines, quoi. Oui, là, c'est ça. Ça, c'est à l'impression. C'est chez Pépéo Graphique à Massy-Palaiseau. Mm-hmm. Et c'est l'impression donc, de l'album. Ouais. Et donc, ils font une première planche de test. Et nous, on la valide. Et après, ils lancent. Et alors, vas-y, reviens sur l'image d'avant. Alors, ça, c'est, une moitié de l'album sur cette face. Ouais. Et sur l'autre face, il y a l'autre moitié d'album. Et après, c'est une machine qui découpe, qui plie et qui agrafe. Donc l'album se résume à une page. Il se résume à une grande feuille. Bon, là, il y a une année de travail sur cette image. Est-ce que tu as récupéré quelques grandes feuilles comme ça, juste pour le plaisir, ou même pas? Non, je n'ai pas récupéré. Ce qu'ils font, c'est que... Enfin, oui, tu as raison, mais... là, ce qui se passe, c'est que... Comme quand on sort de chez l'imprimeur, on n'a pas l'album. Mmh. Là, ils nous le plient négligemment. Ouais.
et il découpe négligemment les bords, tout ce qui les passe, et il nous le file, voilà, ça sera l'album. Donc ça ressemble un petit peu à rien. Donc on a toujours l'impression que, ouais, c'est pas à la hauteur. Mais bon, une fois que c'est relié, qu'il y a la pellicule et tout, ça, l'album ça, en général... Ça commence à reprendre un peu. Le... Mais c'est vrai que là, c'est un peu miteux. Quoi. Mais au moins, on l'a, on revient, on l'a. Tu reviens, tu l'as, il existe pour de vrai. Ouais, c'est ça. Et après, t'enchaînes, comme tu l'avais dit, les dédicaces. Dans tous les sens, dans tous les coins de France, tous les festivals. T'as fait Quai des Bulles, c'est ça? Alors, j'ai fait Quai des Bulles, donc Saint-Malo. Là, j'étais en librairie ce week-end, donc j'étais bulle de salon rue Daguerre à Paris. J'étais à la FNAC samedi, FNAC des Halles. Super, ouais. Super accueil. J'ai toujours un petit peu peur dans les grandes enseignes que ce soit un petit peu impersonnel. Et au final, là, c'est vraiment très très bon accueil, c'était super. Et là, la prochaine dédicace, ce sera le 22, c'est le week-end du 22, c'est à Blois. D'accord. C'est à Blois, BD Boom à Blois. Et après, je pense qu'en décembre, j'ai une ou deux librairies du côté de Strasbourg, dans l'Est, si la SNCF nous le permet. Oui, ça va être compliqué, il va falloir ressortir la Punto. C'est ça, la Punto, maintenant c'est plus une Punto, mais oui. Mais j'ai peur qu'elle soit annulée, on verra, parce qu'on ne va pas s'aventurer au risque de ne pas pouvoir revenir. De ne pas pouvoir revenir, de rester coincé à Strasbourg. C'est sympa, voilà, Strasbourg, pendant le marché de Noël, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est pas mal. Mais du coup, je vais peut-être y revenir plutôt en janvier, mais là, il n'y aura plus le marché de Noël. C'est le marché de Noël. Tu trouveras du vin chaud. Voilà, et après, petite tournée, je pense, dans le sud en janvier. Et on clôturera le tout avec Angoulême. D'accord, ouais, ce qui me semble être la bonne saison pour ça. Tiens, allez, je passe chez toi. Alors, je vois passer deux questions. Donc, Viviane qui nous demande comment on fait un storyboard, qui d'ailleurs, elle, bosse dans l'univers des rotatives, donc en imprimerie, je suppose, et qui précisait que c'était des impositions. Et Hyperlit qui demandait est-ce que tu faisais toi-même tes brosses Photoshop. Alors, les brosses, moi j'ai les brosses de Kyle. De Kyle Webster. Ouais, ouais. Un petit peu customisé, on verra peut-être tout à l'heure. Mais sinon, j'ai très très peu de brosses, j'ai 4-5 brosses, pas plus. Ouais. Ça permet d'avoir quelque chose d'homogène, de bien les trier et d'avoir un rendu homogène et pas avoir des trucs géométriques qui vont dans tous les sens ou des coups de brosse qui ressemblent à rien et qui appartiennent à un autre outil. Comme mon envie c'est vraiment de faire en sorte que ça ressemble à du tradi. Il faut une économie de brosse, hein, vraiment très peu de brosse. Tu peux pas t'amuser à avoir 50 trucs. Un pinceau, ça fait pas des brosses de sapin, ça fait pas des voilà. Il faut vraiment que ce soit des coups bien précis, bien déterminés et qui correspondent à un outil. Donc j'ai peu de brosses. J'ai pris les brosses, je pense gouache de Kyle, on a 5-6. Et après, j'ai des brosses toutes simples que j'ai faites moi-même, avec juste une texture, de la pression, même pas de double forme. Donc, histoire d'être vraiment basique. Ouais, très très basique. Et c'est efficace, constant en fait. C'est ce qu'on va chercher quand on crée des brosses. J'ai pas une brosse qui me fait un ciel automatiquement ou des trucs. Tout est peint à la main, par petits coups de pinceau. À la limite, une brosse ciel ou autre, c'est plutôt ce qu'on voit dans le concept art. Quand ils ont besoin de sortir 60 images dans la foulée, c'est ce qu'on avait vu avec Spark par exemple. Même des formes géométriques qu'on split dans tous les sens, qu'on étire, etc. Donc voilà, moi j'ai très peu de... C'est moi le sifflement ? Non, c'est Bruno qui entendait ça, donc j'ai essayé de corriger un petit peu, j'ai baissé un peu tes aigus. Même on l'entend ici. Après, de toute façon, après derrière, il y a chaud. Celui-là, je suis pas sûr qu'il passe dans le micro. Alors, du coup, bienvenue chez toi. Ouais, vas-y, on est chez... Ouais. Vas-y, raconte. Je raconte. Que tu nous as préparé un gros fichier Photoshop. Moi, oui, je peux avoir des gros fichiers Photoshop, mais là j'ai essayé d'ordonner le tout et de faire en sorte que ce soit moins gros. Parce que sinon, j'ai une petite tendance à ne pas forcément nommer les calques. Tu nommes pas tes calques? Non, c'est le bordel. Donc, une BD, comment ça commence? Là, je sais pas, une belle page... Oui, chez toi, vas-y. On aurait dit une page blanche, mais non, là, serait une page noire. Belle page noire. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a rien, c'est le commencement. D'accord. Voilà. Et alors, le plus premier souvent... Le premier jour, il n'y avait rien. Même pas de lumière, rien du tout. Au second jour, on fait un petit restaurant avec le scénariste. Petit restaurant, toujours, c'est pas... Toujours un petit restaurant, mais j'ai pris le pli, là, depuis Didier Convard et aussi avec Yann...
sont de bons vivants. Donc voilà, on discute de ce qu'on veut raconter, de l'histoire qu'on va... Parce que ça va être un an après, un an de travail. Hein. Oui, bien sûr. Donc il faut tomber d'accord sur une belle histoire à raconter, sur laquelle je puis, par endurance, tenir sur une année. Donc on se raconte l'histoire, il fait des hypothèses, je rebondis. Et puis après, il fait ce qu'on appelle le chemin de fer. Ouais. Donc le chemin de fer, et avec Yann, c'était intéressant parce que le chemin de fer, il y avait encore des possibilités de modifier. Il m'avait fait un chemin de fer, donc il devait raconter l'histoire. Ouais. Et en parallèle, il y avait mis des scènes alternatives. D'accord. Voilà. Parce qu'on ne se connaissait pas encore très très bien, on ne savait pas comment... comment vous alliez travailler l'un avec l'autre. Et je pense qu'il me sondait, il essayait de me sonder un petit peu. Et moi, bizarrement, j'ai choisi à chaque fois les scènes alternatives. D'accord. Donc, tu savais que c'était des alternatives. Ben oui, parce que c'était en fin de document. Mmh. Donc il dit, ah là, tu vois, cette scène, on pourrait la remplacer par ça. Donc j'ai dit, ouais, du coup, ouais, on va le faire. On va le faire. Et donc il a fait remonter tout ça, et il a rafistolé, et il a refait l'histoire, et l'histoire était super. Et alors il y a Féfé qui nous demande une petite démo. Rassurez-vous, ça va venir. Et Alexis qui demande si tu as toujours travaillé en numérique pour la BD. Ouais, quasiment. En fait, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, effectivement, je travaillais en tradi. Mm-hmm. Il n'y avait pas l'informatique, donc on n'avait pas les moyens. Et après, j'ai tout de suite fait la couleur sous Painter, mais la version Painter classique était livrée avec la Lintuos de base. Ouais. C'était super bien. Donc, le restaurant, le restaurant. Les scènes alternatives et le... Ouais, on rafistole le tout et je lui dis, bah, écoute banco, maintenant tu peux attaquer le script. Ouais, et parce que lui, il a un pitch au départ. Oui, en fait, le chemin de fer, c'est en gros résumé. Hein, on n'entre pas dans la finesse des dialogues, du découpage, etc. Et donc, il fait ce qu'on appelle le script. Et là, c'est là où je peux commencer à intervenir. Donc, le script... Ça ressemble à ça. Alors, voilà, au milieu de tout ce noir, un petit peu de lumière. Donc ça, c'est le script d'une page, sachant qu'il y a 46 plages en format franco-belge. Donc on peut voir, là j'ai découpé, il y a une en rouge, une, deux, trois, quatre cases. Et en bleu, ce sont les dialogues. Donc, on va regarder un petit peu cette page parce que c'est celle que je vais détailler, c'est celle qu'on va faire ensemble. Vas-y. Donc la page 1, la case 1, c'est un grand panoramique, hein. C'est une scène, un plan d'introduction sur un port viking, et il y a nos deux personnages principaux, c'est Louve et Yasmina, une petite guenon qu'elle a sur l'épaule, qui viennent sur ce port. Deux bulles de dialogue. Case 2, c'est le plan d'introduction des personnages. Après le plan panoramique, on est sur les personnages. Donc c'est case d'introduction. On est sur Louve et Yasmina. Okay. Et elles discutent. Okay. Case 3 et case 4, on arrive enfin sur l'action qui est là, est une non-action, parce que c'est une scène d'introduction, une scène d'ouverture. Il s'aperçoit qu'il y a un bateau de pêche un peu particulier avec des gens habillés en bleu, peut-être une secte, quelque chose. Donc, quatre cases. Donc, avant de se lancer là-dedans, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, une fois que j'ai tout mon script, je rassemble toute ma documentation. D'accord. C'est ce qu'ils appellent souvent la Bible de la bande dessinée. Alors, la Bible, il y a la documentation et tous les refs, et tout ce qu'on peut faire. Alors, sur Internet. Alors, moi, j'ai un Pinterest. Ouais. Dans lequel je mets plein de trucs. Donc là, pour le Torgal, j'avais tout un passage où il y avait des rochers, des dracars, etc. Il y avait... sous tous les angles. Sous tous les angles. Avec les parties techniques, parce qu'on voit le montage du dracar aussi. C'est ça. Des bonnes têtes de vikings. Et après, je me suis fait aussi des répertoires pour des références pour des personnages, par exemple. Là, Aricia, Brigitte Bardot, etc. Brigitte Bardot, jeune. Oui, jeune. Donc voilà. J'ai fait la même chose pour Neige, quand je travaillais sur Neige.
J'avais énormément de visuels de enneigés, de références. Mm-hmm. J'avais énormément de choses. En fait, le Pinterest, c'est vachement bien, Pinterest, parce qu'ils font déjà un tri artistique de leurs photos. Ouais. Et c'est super. Donc, je fais ce premier travail. Après, une fois que j'ai rassemblé ma doc, je commence à partir sur... Sur les premiers designs. Ouais. Donc là, c'était pour le tome 1 de Neige. Ça se passait à Rome. Rome était une ville fortifiée. Et donc, ça, c'est tous les personnages qui sont utiles à la narration. Enfin, pas tous, hein. Et la particularité, c'est qu'ils faisaient partie tous d'une religion et d'une caste, donc il fallait qu'ils soient habillés en blanc, en rouge, mm-hmm. et avec ce petit symbole-là, quelque part. D'accord. Donc toi, tu savais... Alors, ça tombe bien, parce que ça permet de rebondir sur une question de Viviane, qui dit, c'est quoi la Bible en bande dessinée ? Ça va être les références, en fait. Alors, la Bible en bande dessinée, c'est pas comme en jeu vidéo, mm-hmm. ou dans un film, c'est qu'on ne travaille qu'avec nous-mêmes. Ouais. On pourrait s'en passer. Ouais, à la limite, tu sais déjà tout. Je sais déjà tout. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir, quand je travaille, les références sur lesquelles je vais travailler. Donc, j'aime bien afficher mes personnages, mm-hmm. mais tout le monde ne le fait pas. Ouais, y en a beaucoup qui créent sur la planche, qui dessinent sur la planche. Je le fais pas mal aussi. Maintenant, je le fais un petit peu plus. Hein. Donc, la Bible, ça peut être les personnages, mm-hmm. les décors. Ça, c'est la Bible graphique. Mm-hmm. On ne parle pas du dossier pour éditeur, hein, qui est autre non, chose. Non, c'est... Mais, ouais. La Bible graphique, moi, je dirais, c'est les personnages, les différents décors. Et après, tout le reste, comme c'est pour nous, on n'a pas besoin de le faire. Hein, par exemple, qu'est-ce qu'on s'autorise à faire sur une page, hein, des fonds perdus, des inserts, etc. Si on a en 3 strips, 4 strips. Ça, c'est pour nous, donc on n'a pas besoin de le faire. Mais personnages et décors, je trouve que c'est intéressant de le faire. Ne serait-ce que pour être cohérent le long des 46 pages. C'est ça, oui, oui. Parce que comme tu disais, là, sur Neige, tu avais enchaîné 3 tomes. Sur Torgal, tu as l'air d'être bien parti pour en faire un paquet. C'est ça. Du coup, tu es obligé de t'assurer que le personnage est cohérent tout du long. Mm. T'as pas un directeur d'animation comme tu aurais dans le dessin animé qui te dit... Personne derrière moi qui me dit, t'es plus au modèle. Mm, c'est ça. Et puis en bande dessinée, être au modèle, c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est qu'on ressente bien les personnages qu'on les suit tout le long. Parce que Rosinski, ou même moi, mais au long d'une BD, j'ai mes personnages qui évoluent. C'est tellement long à faire, c'est tellement besogneux, qu'on ne va pas revenir sans cesse sur les personnages. Ou alors, il faut être super doué. Je ne suis pas assez doué pour vraiment dessiner exactement la même chose. Mais je sais que mon exemple, et qui est très très loin du style de BD sur lequel tu es, c'était le Trondheim et ses Carottes de Patagonie. Je ne sais pas si tu avais suivi ça. Non, je n'ai pas suivi. Il avait fait quand il s'est lancé dessus, il est parti, il s'est lancé en mode je vais dessiner, on va voir, je vais apprendre à dessiner à partir de ce truc-là. Et il a fait 500 pages. En fait, on le voit au fur et à mesure de l'album apprendre à dessiner le truc, commencer à cerner son personnage qui deviendra Lapino, c'est la mise en abyme de la création. Ouais, c'est. Et on avait effectivement des évolutions du personnage, des évolutions de la maîtrise du trait. Ouais, c'est super. Et puis le fait que plus tu le dessines, plus tu sais le dessiner en fait. Ouais. Mmh. Ah, mais c'est ça. Moi, Torgal, je suis bien à la fin. Mmh. Parce qu'on regarde au début, il se... Alors, je parlais donc des personnages. Pour Neige, j'ai pas trop fait de recherche, donc du coup, là, je montre des images finies. Mais le décor le plus important de la série, c'était le Colisée. Mmh. Et Neige, c'est un monde post-apo, donc il fallait un petit peu customiser tout ça. Ouais. Donc là, on voit le Colisée. Avec une grue devant. Et alors, ce qui est intéressant dans Neige, c'est que... Ou pas, hein. Mais que ça se passe en Europe. Mmh. Donc, les carcasses de voitures, c'est pas forcément dans la Ford Mustang ou de la Cadillac. Je sais que dans l'arène, il y avait une Clio. Il y avait, donc, c'est rigolo. C'est plus proche de nous. Et l'avantage de ces mondes, c'est qu'on peut, customiser. Ouais, tu peux te faire plaisir, mais toujours sur la base de tes références et tout, puis sur l'architecture existante, au moins tu sais que ça existe. On fait des petites digressions, on rajoute, on compose des objets avec des objets déjà existants. Mmh, mmh. Donc là, l'arrivée dans l'arène. Donc comme on était à Rome... Mmh. Ben, les soldats qui font
qui font régner l'ordre, ce sont des gardes suisses avec des mitraillettes. Et on peut voir les gladiateurs qui vont se présenter avec toute une kyrielle d'outils, d'armes, des piques. Donc c'est intéressant en bande dessinée, c'est que comme on peut, on n'est pas prisonnier comme dans un film, on n'est pas prisonnier du temps. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir sur des éléments graphiques, sur des détails, et dire au lecteur, mais écoute là, tu vas te poser 5 minutes, et tu vas regarder tous les détails que j'ai mis dans mon image. C'est ça, on a mis l'image en grand, il y a une raison. Voilà, c'est pas, c'est pas, ça pas, va pas détail, passer. C'est pas juste pour la narration. Non, c'est... Non. C'est, voilà, et du coup, on peut se faire plaisir à faire plein de petits dessins. En bande dessinée, c'est une... dans un film aussi, c'est la même chose, mais on peut ralentir le temps, le lecteur peut s'arrêter. Donc, ça vaut le coup de semer des éléments pour une seconde lecture. Mmh. Donc là, combat dans une arène. Là, le Colisée de l'extérieur avec des véhicules. Mmh. Et là, l'entrée du Colisée avec une guérite type Mad Max. Quand même, ouais. Et beaucoup de petits détails. Beaucoup de petits détails. Hop. D'autres visuels avec aussi beaucoup de petits détails. Là, les couleurs sont de Bruno Tati, parce que quand j'étais sur le tome 3 de Neige, j'ai été appelé pour Chris de Malnor et j'avais pas le temps de boucler les couleurs. Ouais. Donc c'est lui qui a repris le flambeau, et on ne voit pas la différence, voire même c'est mieux. Bravo Bruno. Parce que bravo Bruno. Tout à l'heure, ils nous écoutaient, même s'ils entendaient le petit sifflement. Voilà. Est-ce qu'il écoute encore ? Je ne sais pas s'il écoute. Je ne sais pas s'il s'en rendra compte dans 30 secondes. Hein, mais... Alors là, ce décor, il était sympathique à faire, puisque bon, enneigé, c'est toujours pas mal, parce qu'on peut, il y a de forts contrastes. Là, c'est une centrale nucléaire qui avait été transformée en ville, et comme les radiations étaient encore chauffantes, forcément ça fond. Forcément ça fond, et les gens, HUD qui est là, ouais, les gens se sont installés au pied des réacteurs, hein, donc forcément ça, c'est pas bon pour eux, hein. D'autres décors, je vous montre décors de hangar. Donc dans Neige, le décor, c'est un troisième personnage, parce que c'est lui qui va fixer l'ambiance. De temps en temps, c'est un petit peu suranné, c'est crépusculaire, de temps en temps, c'est beaucoup plus agressif. C'est important de soigner le décor. Oui, et puis en plus, à la fin, c'est un peu... quand on regarde du début dans le Colisée, quand on regarde les grands extérieurs, etc., ça a l'air d'être un peu ton jouet, le décor. Ah oui, moi j'adore ça. Le décor, j'aime beaucoup, parce que c'est ce qui fait la différence souvent. Tout le monde sait à peu près dessiner des personnages. Quand on voit en manga, il n'y a quasiment que des personnages, pas beaucoup de décors. Ce qui fait la différence du franco-belge, c'est si on veut bien dépeindre une atmosphère, ça va être le décor. Le décor va vraiment faire la différence. Là, pareil, en termes de référence, c'est du Pinterest, c'est du... C'est des balades. Est-ce que tu te balades et tu fais toi-même tes photos? Est-ce qu'il y a... Alors pour Rome, j'ai pas mal utilisé Google Earth. Mm-hmm. Ouais, je m'étais même mis au ras du sol. Le Colisée, je pense que c'est ou une base photo ou du Google Earth. Mm-hmm. Bon, là, quelques véhicules à designer aussi. Là, un centre commercial délabré. Et alors tout ça, c'est que du numérique de toute façon, parce qu'il y a Thierry qui nous demande est-ce que... Ça c'est 100% numérique, l'ancrage aussi. Ouais. Alors, on avance. Vas-y. Pour vous montrer comment fonctionne une page, commencer avant la couleur. Voilà une partie de storyboard. Donc storyboard quand même bien détaillé. On n'est pas en mode timbre poste. Non, là on n'est pas en mode. Là je montre juste ça pour montrer le complément, parce que j'ai dit que je rassemblais d'adoc, je faisais les croquis, mais je fais aussi des modèles 3D. D'accord. Pour les scènes qui sont récurrentes ou les éléments qui vont être récurrents. Là par exemple c'est SketchUp. C'est SketchUp. Ça c'était une base spatiale qui était au sommet d'un piton rocheux. Enneigé forcément, et je devais l'utiliser plusieurs fois, donc je l'ai modélisé.
C'est marrant parce que du coup ça repose sur énormément de compétences en parallèle. Ouais, la bande dessinée c'est assez complet parce que là on parle juste de technique, mais après il y a toute la mise en scène derrière aussi. Bien sûr. Toute la mise en scène, c'est je pense, c'est quelque chose qui fait partie des choses les plus complètes parce qu'on est aussi le réalisateur. On fait tout. Là, un pistolet. Donc quand on regarde ce que ça va donner au final, ça va donner ce genre de choses. Et du coup, quand toi tu vas dessiner, parce que là donc il y avait ton story et derrière on voit que t'es exactement dessus sur les traits, sur les réalisations. Tu vas avoir un calque avec ton storyboard et un calque au-dessus sur lequel tu vas ancrer, sur lequel tu vas faire ta couleur. En fait, tout part du même fichier. Et au niveau du storyboard, les bulles et les marges sont déjà calées. Donc j'avance. Là, une autre planche pour montrer qu'aussi mes recherches de doc sont utiles, parce qu'on voit dans la première case, c'est une photo. Et là, ici, est-ce qu'on voit mon curseur ? Je ne sais pas si on voit ton... On voit pas mon curseur. Normalement, oui. Là, ici, c'est une moto qui avance vers nous. Et la moto, on la retrouve ici. Là, et ça, je l'ai modélisé, cette moto. Ouais. Je l'ai modélisé parce que je devais l'utiliser énormément de fois. Donc. De toute façon, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, quand tu disais que si tu as des éléments qui sont récurrents... et que tu vas les avoir sous plusieurs angles pour que ce soit pas lassant non plus. C'est ça. Ouais. Donc, moi, je pense à, par exemple à un Pratt qui dessinait que ses personnages et le reste c'était... Ouais. Donc là, on voit le modèle, SketchUp, et... Et le rendu derrière qui a mais tellement plus... Enfin, qui a le même cadre, mais qui a tellement plus rien à voir en termes de dessin. Plus rien à voir, ouais. Donc avec les superbes couleurs toujours de Monsieur Bruno Tati. C'est ça. Je vais faire un peu de pub. Allez, là, juste pour le plaisir... Encore le véhicule, ici. La version, les lines, juste la line. Donc ça, c'est juste le line. Donc ça, c'est ce que toi, tu rends en dessin avant de le donner à ton coloriste. C'est ça. Merci. Et la version couleur. Si jamais vous êtes intéressé par la couleur sur la chaîne YouTube, on avait donné une session, alors il y a bien longtemps maintenant, avec Virginie Blanchet, qui nous avait... présenter justement tout son boulot en colo, comment elle a été arrivée là. Ça date d'il y a 3 ans, donc ça date pas mal. Je vais remettre le lien pour ceux qui seraient tentés. Hop. Même si un jour on aura peut-être Bruno Tati, hein, s'il arrive à quitter Montreuil. Ah écoute, demain il fait une masterclass dans l'école Jean Trubert. Ben, tu vois comme quoi ça. Donc il peut venir. Je vais y continuer, je poste des liens. Ouais. Je t'avais dit, je fais semblant de. C'est le moment où, quand on voit sur les vidéos, tu. Ouais, c'est ça. Donc tu dis, mais il est là ou il n'est pas là ? Il est là ou il n'est pas là. Bon, là, c'était. J'ai passé un petit peu les recherches pour Neige. Donc il y avait recherche de personnages, recherche de décors, et il y avait recherche modèle 3D numérique, enfin modèle 3D sous. Sous SketchUp. Et Fefe demande c'est combien en moyenne les dimensions et résolution des images. Alors la résolution ce sera, enfin la dimension ce sera telle de l'album je suppose. Ou alors, tu fais du plus grand ou du plus petit quoi, d'ailleurs. Le format franco-belge c'est un format 24-32 pour les albums grands et après sinon c'est 21-28 par exemple pour du Torgal. C'est un format un petit peu plus petit le Torgal. Et quand je fais mon format la couleur c'est en 300 dpi. D'accord. Au format. Et l'ancrage, c'est en 1200 dpi au format. Ouais. Et tu veux de l'ancrage en niveau de gris ou en noir et blanc ? L'ancrage, je le fais en niveau de gris. Ouais. Mais je le passe à l'éditeur en 1200 bitmap. Ouais. Pour être sûr d'avoir le noir et le blanc. Ouais. Pour qu'il n'y ait pas de trame dans les traits. Ça va parler à Viviane. Voilà. Alors, des essais que j'ai, des croquis de personnages pour la série Crise de Valnor, pour le diptyque, la dague du temps, avec la dague au milieu. Là, une partie ancrée, où on voit les trames de l'ancrage. En haut, ça, c'est les essais que j'ai réalisés quand on m'a appelé sur Crise de Valnor. C'est le personnage que j'ai fait, c'est Crise de Valnor. Et après, ça, ce sont des croquis. Là, on voit sur Neige, j'avais plus de temps, là, j'ai moins de temps. Donc ça, ce sont mes croquis. Il n'y a pas mieux. D'accord. Il n'y a pas plus abouti. Je suis resté, comme je travaille avec moi-même, tout seul, je fais un petit peu ce que je veux. Donc ça, des croquis numériques. Ouais.
quoi qu'il ait, personnages principaux, tout équipé, parce que dans le tome, il fallait qu'ils aient tout. Ils partaient en expédition, et dans le scénario, ils me disaient pas au début l'équipement qu'il fallait. D'accord. Donc je découvrais petit à petit qu'il fallait une arbalète, qu'il fallait des épées, qu'il fallait des cordes, qu'il fallait des machins. Donc il fallait que je lise tout le scénario pour avoir l'équipement. D'où la fameuse Bible. Ouais, d'où la fameuse Bible. Voilà, il fallait lire tout le scénario pour savoir comment étaient équipés les personnages pour qu'ils puissent accomplir les. Et puis te rappeler si ces 30 mètres de corde, il les tient à droite ou à gauche. Et oui, et s'ils sont gauchers, droitiers, tout ça. En plus, la latéralisation, moi j'ai des gros problèmes de latéralisation. J'avais un personnage dans Neige qui avait un plâtre à la jambe droite. Et à la fin de l'album, je me suis aperçu, une fois que j'avais terminé, que j'arrêtais pas d'inverser les. Et alors, c'était régulier, genre une sur deux, une sur trois? Non, c'était totalement anarchique. Et du coup, d'où l'utilité d'être en atelier, c'est que quand on a nos compasses, on leur pose la question. Alors, est-ce qu'il faut que je corrige, que je corrige pas? Oui, tu ferais mieux de corriger, tu as passé un an dessus. Si les gens voient que t'as le plâtre qui change, c'est dommage pour notre travail de ne pas dépenser une demi-journée de plus pour corriger. Ouais, de toute façon, tout est sur le calcul final. Ben oui. En BD, c'est l'aspect qualitatif qui prévaut. Hein. On a un an pour le faire, donc peut-être que ça urge au dernier moment. Hein, mais hop, là, d'autres personnages. Ça, c'est pour le Torgal qui vient de sortir. Avec le design très succinct du méchant principal, avec un casque crâne d'oiseau. Qui est fameux, qui est sur ta couverture, mais qui est sur la couverture. Mais je sais plus s'il est sur la couverture de Grégor. Non, il n'est pas. Il n'est pas, hein, non, c'est ça. Non. Alors là, la couverture, le crâne, la particularité, c'est qu'on est obligé de déformer parce que les crânes des oiseaux sont sur les côtés. Les yeux. Et si on veut qu'on ait les yeux en face, on est obligé de faire un faux crâne d'oiseau. Ça n'existe pas, les crânes d'oiseaux à travers duquel on peut regarder. Il y a des oiseaux qui iraient que devant. Voilà, et puis déjà aussi gros. Hein. Donc. Contrairement à Neige, Torgal, c'est organique, donc tous les croquis, même des bâtiments, sont faits à la main. Ouais. Donc là, voici un petit croquis. Et j'ai pas de modèle 3D, je veux pas de modèle 3D. Donc un château, une petite forteresse. Là, le close-up, le zoom sur le château. Et le résultat dans la BD, ancré avec des belles couleurs de Gaëtan Georges. Je sais pas, autant Bruno nous suivait, j'en étais sûr, Gaëtan je l'ai pas vu dans le chat. Non. Alors, une fois qu'on a fait toutes ces petites recherches, donc la documentation, les décors, on va commencer à passer au dessin, au découpage. Il va falloir quand même, ouais. Ouais, il va falloir un moment découper. Donc voici. Rapido. Voici tout Torgal. Voici une moitié de Torgal. Alors retourne la feuille, fais-nous l'imposition, qu'on est la moitié. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle les timbres postes. Donc page par page, je griffonne un petit peu. Je griffonne. Là vous voyez, ça c'est la page 1. Avec ces fameuses 4 cases. Les 4 cases, une case ici, une case là, panoramique, et une case là, et une case là. Donc ça, c'est le travail de mise en page, enfin, le travail de découpage. Mais pour faire ça, il faut avoir quelques petites bases, avant quelques petites bases de narration. Oui, il faut que toi, tu aies réfléchi à la narration, il faut que la personne qui t'a fait le scénar et le script y ait pensé aussi. Y ait pensé, l'idéal, c'est que là, moi je travaille avec des scénaristes qui font ça, ils font le découpage case par case, donc ça va. Au moins, ils ont fait en sorte que ça rentre dans la page. Même si des fois, ça rentre un petit peu au forceps. C'est bien que le scénariste ait des notions vraiment de mise en scène et que ce soit pas une continuité romancée et c'est à toi de trouver. C'est à toi de trouver le rythme, le rythme, le suspense de fin de page, etc. pour tourner la page. Il y a des demandes là ou pas? Non, pour l'instant tout va bien. Moi j'ai posé quelques liens. Viviane nous raconte son passé à sniffer de l'acide chlorhydrique en presse. Et Zo nous dit qu'il y a beaucoup de similarités avec le concept art. Bah oui, c'est... c'est la partie concept art. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Donc, on reviendra après sur le story. Enfin, sur le pré-story, sur le timbre poste. Là, pour l'instant, on va parler un petit peu de... Bah, après, on verra. Tu disais, il n'y a pas de questions. Alexis vient de poser la question. Comment on procède pour la disposition des cases? Est-ce une science ou juste au feeling?
Eh ben, c'est les deux. Il faut que ça fasse joli et en même temps, il faut que ce soit lisible. Donc, c'est et une science et au feeling. Donc, on va regarder là. Vas-y. Alors, je vais créer un petit calque au-dessus. Et je vais mettre dans le petit calque. Là, voici une page de BD. Mmh. Ça, c'est du neige. Donc, la mise en page de neige, elle est. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. On n'a pas de cases rondes, on n'a pas de cases ovales, de cases triangulaires, des choses comme ça. Mais en gros, à partir du moment où on fait des cases rectangulaires, on peut s'organiser comme on veut dans la page. D'accord. On peut s'autoriser ce qu'on appelle ici des fonds perdus, c'est-à-dire des cases qui mangent dans les marges, que ce soit en haut ou en bas. On peut s'autoriser de faire, là je ne sais pas si vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, dans le sens vertical, il y a 5 strips. On peut s'autoriser de faire 5 strips, 6 strips, etc. Tant que la narration est lisible, on fait ce qu'on veut. Alors, du coup, ce qui est important... Ouais, tu ne te limites pas à un gaufrier, 3x4 ou quelque chose comme ça. Alors, ce qui est important, c'est de bien faire en sorte que le regard aille où on veut. Mm-hmm. Et toute la science de la mise en scène de la BD... Je vais regarder, est-ce que j'ai mon stylo ? Alors, hop, je vais me mettre en rouge... C'est de faire en sorte que le lecteur soit guidé où on veut. Là, l'œil, il va arriver par ici. Il va capter direct le gun. Pourquoi ? Déjà parce qu'il est positionné en premier. Et en plus, il est extrêmement lumineux. Ouais. Donc on va sur le personnage. Là, ici, on est aspiré par une zone claire. Donc le regard va aller ici. Et après, il est bloqué par cette zone. Donc on va... Il va aller là. Ok. Une fois qu'il est là, qu'il a capté ces deux personnages, vu qu'ici, ici, ici et ici, c'est bloqué, et qu'en plus la lumière fait ça, on va aller direct sur le petit personnage au fond. Ouais, carrément. Et puis en plus, ça tombe bien, puisqu'il est en couleur chaude sur fond froid. Tu veux dire que dès la conception de la planche, quand tu... parce que ce que tu es en train de nous recréer là, c'est plus ou moins ce qu'il y a sur tes timbres postes. C'est mon d'avant. Cheminement mental, c'est ça. Ouais. C'est les timbres postes qu'on a vus avant, c'est ça. C'est pour ça que j'en parle à ce moment-là, parce que, derrière, t'es obligé d'avoir ça pour... Et tu réfléchis du coup dès à présent à la question de couleur. C'est ça. Donc, tu disais, on a des couleurs chaudes, des couleurs froides. Là c'est facile, puisque le personnage principal, il porte des couleurs chaudes, il a de la fourrure. Donc c'est facile de l'isoler sur un fond enneigé. C'est super facile. Donc du coup, le personnage... Yukiko trouve ça impressionnant, merci. Viviane demande si tu utilises le nombre d'or ou des règles particulières. Pas le nombre d'or, mais la règle des tiers. Mais après, la règle des tiers, il faut la comprendre. Il faut surtout jouer avec, parce que la règle des tiers, comme tout le monde utilise la règle des tiers, ça donne des images totalement conformes et où il n'y a aucune surprise. Donc on peut désaxer un petit peu, sortir des tiers pour créer de la surprise. Mais si on veut faire une image bien composée, c'est la règle des tiers. Comment on sort du R hein ? Et elle échappe. D. Non, je suis B. Après, tu te remets sur ton outil de base. Alors, je suis là, j'arrive ici. Ici, la zone lumineuse, elle est là. Donc là, il ne va pas aller ici. Et... il y a un escalier. L'escalier, il correspond aussi par où doit s'échapper l'œil. L'œil s'échappe par ici. D'où le contraste, d'où le blanc. Et après, on monte direct là. Ok, vous voyez ça ? Oui, en gardant des niveaux de plan, des niveaux de taille aussi. Exactement ça. On est sur un plan très large au début et très serré à la fin. Alors, ce qui est important, c'est de varier les plans aussi. Les plans éloignés, plans rapprochés, et le faire à bon escient. Quand on a besoin, en bande dessinée, on peut insister sur les détails. C'est-à-dire que ici, là, si je zoome, les personnages ont tous une attitude différente. Et c'est très important qu'il y ait une seconde lecture après. Ils ont tous une attitude.
Donc il y a pas, même chez les personnages secondaires, même dans le... Enfin, moi, c'est mon approche. Hein. Après, il y en a effectivement qui stylisent énormément au second plan. Hein. Mais moi, je fais pas ça. Là, on verra pour tout à l'heure. J'ai... Alors, hop. Ici, j'ai positionné un ascenseur qui nous sera utile la page suivante. Donc, on en est remonté, là. Ouais. Après, bon, fatalement, on arrive ici. Puisque c'est le strip suivant. Donc là, le cheminement, on est bloqué par ici. On va monter et on atterrit directement sur le personnage qui nous intéresse. Qui se retourne et qui regarde dans cette direction, puisque le personnage est ici. Ok. Et après, bon, voilà. On est ici, et puis il y a la case. Je suppose que tu as les mêmes contraintes qu'au cinéma, de champ contre champ, de pas être... Est-ce que tu fais la fameuse règle des 180 degrés ? La règle des 180, là, par exemple, sur le dernier strip, c'est utile de la conserver. Mais après, quand on change de strip, il peut y avoir un plan de coupe, ouais, bien sûr. Où on se transgresse. C'est pas... Je l'utilise quand il y a une animatique importante et où il faut faire en sorte qu'on puisse pas croire que le personnage va dans l'autre sens. Parce que la règle des 180 degrés, c'est ça. Hein. C'est qu'à un moment, si on met tout le temps les caméras du même côté et qu'on change en 30 ans, on a l'impression que le personnage va dans l'autre sens. Le personnage s'est perdu. Donc pour les animatiques ou pour les dialogues, mais après on peut faire comprendre aussi, on a plus de temps de lecture, hein. C'est pas comme au cinéma, on peut aussi comprendre que les personnages n'ont pas bougé de place, mais c'est important, ouais, cette règle. Alors, juste, la page d'après, une double page, avec justement cet ascenseur. Ouais. Ce fameux ascenseur qu'on a vu sur la page d'avant. Qui du coup il est en page centrale. Tu anticipes d'ailleurs aussi le pli de la ouais, page. Le pli est juste à gauche du personnage qui monte. Donc on l'anticipe. Alors là, est-ce que je peux dessiner là ? Vas-y, tu. Est-ce que tu es sur le bon calque ? Là, c'est pareil, on arrive par ici. On est gainé, une zone lumineuse. L'œil va aller directement sur le personnage. Pareil. Ici, on a les fuyantes. On arrive direct sur le personnage. Depuis le début, on a ici l'ascenseur. Ici, l'ascenseur. Donc, quand notre personnage ici s'appuie sur une rambarde, on a très bien compris, sans montrer... l'ascenseur en plan large, on a bien compris que c'était l'ascenseur. Ouais. Et après, et le regard et la manche nous guident vers les personnages qui sont ici. Et on retrouve ce que tu nous dessines en rouge, là, il y a une espèce de continuité de toute façon des lignes directrices, d'une case à l'autre, essayer d'avoir cet enchaînement. Ouais. C'est aussi dans cette manière-là que tu vas faire ta narration, ta séquence. C'est ça, et puis après, il faut faire en sorte aussi d'essayer ce qu'on appelle d'éviter ce qu'on appelle les nœuds graphiques, des lignes qui se superposent d'une case à l'autre. Alors justement, les nœuds graphiques, c'est les tangentes en fait. Quand tu vas avoir une bulle, par exemple... Alors, il y a plusieurs sortes de nœuds graphiques. C'est des lignes qui se superposent dans une même case. Ouais. Donc, par exemple, un cercle et une ligne droite, ce qui fait que il va y avoir un amas de noir qui fait que l'œil va être attiré. L'œil va se demander ce qui se passe. Et puis, il y a aussi les nœuds graphiques qui sont des coïncidences graphiques. C'est, par exemple, quand d'une case à l'autre, il y a un mur qui est au même endroit, ou la manche d'un personnage qui correspond au mur des coïncidences malheureuses. Malheureuse ou heureuse, parce que ça peut être aussi un jeu de... Alors, voilà, de construire. Mais faut bien faire. Bon, une fois qu'on est là, on a une séquence qui est cut. Ce qui est important aussi, en termes de narration, les strips, ça sert à ça. C'est que ça sert aussi à séparer la temporalité et les différentes scènes. Ouais. C'est-à-dire que là, si on voit, là, j'ai groupé.
j'ai coupé dans cette partie une scène qui se passe ailleurs. Un strip, voilà, c'est une séparation. Donc c'est bien de mettre toute une action dans un strip. Ça permet de compartimenter et de bien comprendre ce qui se passe. Bon, une fois qu'on est là, hop, le personnage remonte. Et physiquement, il remonte aussi. Donc il y a... T'as vraiment un accompagnement. Il y a un accompagnement, ouais. C'est ce que j'appelle l'animatique. Là, il descend et là, hop, ici, il remonte. Ça t'est déjà arrivé d'ailleurs dans des recherches sur des planches de dire j'arrive pas à faire remonter sur la page. Oui, des fois ça arrive et donc du coup il y a le compromis. Il y a le compromis. Oui, mais ça arrive en termes de contraintes que tu puisses pas faire ce que tu voudrais faire. Et donc t'essaies de trouver une autre solution ou alors tu peux agglomérer des cases. C'est ce que tu peux faire en BD. Tu peux aussi faire une case qui est ralentie et qui prend plusieurs éléments ensemble. Ouais, tu peux faire ça. Donc après, le personnage, il monte, et comme par hasard, il arrive en haut de la page. Et il débouche. Et forcément, comme on a un cadre dans le cadre, on ne peut que voir le personnage. Le strip suivant, c'est ce que je disais, hein, c'est une unité de temps. C'est-à-dire, il voit, ici il y a un tuyau avec de l'essence, donc il voit le tuyau, et après il le récupère. Et ça, c'est une unité de temps, c'est un strip. Ouais. Et, je ne sais pas si vous voyez au sol, mais il y a un chemin blanc qui nous y mène. Donc ça, c'est des choses qu'on crée nous-mêmes, parce que je pourrais dessiner tout autre chose. Ouais. Mais je suis obligé d'y réfléchir. C'est-à-dire le trait et la baie qui est ici, qui est l'implant de ce qu'on retrouve ici, c'est important de le mettre. Puisque je crée l'environnement dans lequel le personnage va évoluer. Puis tu vas avoir deux trucs. Tu vas avoir les questions d'échelle hein, qui vont permettre de comprendre. Ben là, on est en dessous, là, on est au-dessus. Ouais. Les questions d'unité de couleur, on est sur du ciel, on est sur du reflet. C'est ça, exactement. Les couleurs, pour montrer que tu es en intérieur, tu peux être plus sombre, à l'extérieur, tu es plus clair, etc. Donc là, le personnage va suivre le chemin et va prendre le tuyau. Donc il fait ça et ça. Jusqu'ici. Là, il y a le tuyau. Là, il y a le tuyau. Alors, et après, là, ici, j'ai l'implant des vitres cassées qu'on va retrouver ici. Ouais, du coup, tu gardes une ligne directrice. Je garde à chaque fois. C'est important, dans une case, d'avoir le rappel d'un petit peu de la case d'après et l'anticipation de ce qui va se passer dans la case d'après, avant l'après. Et là, il verse sur... sur les zombies. Donc ils ont tous une attitude différente. Ils ont l'air plus alertes que les premiers zombies du jour des morts vivants. Ouais, mais moins que World War Z quand même. Certes. Alors, bien sûr, quand on verse de l'essence sur les zombies, il ne reste plus qu'à allumer une petite allumette. Et donc, une petite lueur dans ce monde de brutes. L'allumette qui va descendre là. Là, elle remonte parce qu'en fait, alors pourquoi j'ai fait ça? Pour briser un petit peu la monotonie du mouvement. D'accord. Voilà. Avec une petite composition en triangle, avec des masses différentes. Et donc, on descend. Accélération du temps avec des petites cases. La petite case. B. Petite case ici, petite case. Voilà, j'accélère le temps. En BD, quand on fait les petites cases, on accélère le temps. Ouais, parce que c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Quand tu nous donnes une grande case, on va la regarder, on contemple. Donc, je peux mettre des détails. Après, on peut faire une grande case avec un portrait aussi, on va plus passer de temps. Voilà, grande case, on dilue le temps, petite case, on accélère. Alors, et le résultat de tout ça?
Voilà. Pour faire un petit peu marcher le suspense. Ah. Alors, Yazo qui demande comment est-ce que tu travailles ton sens de la narration ? Est-ce que tu regardes d'autres BD, des screens de films, etc. Mon sens, c'est-à-dire le sens littéral du terme ou non, sens, justement, toi, ton sens, ta sensibilité sur la narration. Je l'ai appris en lisant des BD. Ouais. Parce que, honnêtement, en cours de BD, ce que j'ai eu, j'avais pas ça. C'est en lisant des manuels aussi, il y avait tout l'art de la BD, l'art de la BD à une époque, qui est en deux tomes. Il y a le dessin, il me semble que la narration et la couleur. Et après, en lisant, en regardant, en essayant d'analyser comment sont faites les choses. Et après aussi, c'est simplement par logique, de façon à essayer de guider un maximum le lecteur dans la lecture. Ouais. On fait de l'inception. Hein. Le lecteur ne sait pas qu'il y a tout ça derrière. Et c'est fluide, au final. Est-ce que c'est ça ? C'est ça. De Duc ? Ouais. Donc ça existe toujours, l'art de la bande dessinée de Duc. Ben, moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Les dessins sont un peu old school, mais ouais. dans le scénario, il n'y a pas mieux. Ouais, je sais qu'il y avait toute la partie Scott McCloud qui avait été intéressante sur l'art séquentiel aussi. D'ailleurs, tu me fais penser qu'il faut que j'en parle. Dis-moi. Et Scott McCloud, dans son bouquin éponyme L'art invisible, ouais. Il disait que ce qui est important au final en bande dessinée, c'est tout ce qui n'est pas raconté. Mm-hmm. C'est l'espace inter-iconique, c'est ce qui se passe entre deux cases. Ouais. Parce que si on maîtrise bien ce qui se passe entre deux cases, on comprend bien la continuité des cases. Mm-hmm. Donc tout le truc, c'est effectivement de maîtriser l'espace inter-iconique. Ouais, carrément. Bon, rapido. Ah. J'ai des petits conflits de doigts qui glissent. Je pense qu'ils switchent régulièrement de la carte graphique de carte graphique dessus. Il y a peut-être un peu de mal. Là, un strip, c'est une unité de lieu et de temps. C'est cut sur notre endroit. Mm-hmm. Et on revient sur notre scène où les personnages, enfin les zombies sont en train de cramer. On est guidé. Par la couleur, déjà ? Par la couleur. Bon, la couleur, là, elle est assez homogène, hein, donc c'est un brasier général, mais par contre, l'escalator nous amène vers ici. Ici, on a la fameuse citerne remplie de gasoil, le brasier, et le personnage qui vient dans cette direction. Ici, on a le close-up de cette partie-là, avec le feu qui commence à prendre sur le tuyau et qui remonte pour exploser par ici. Mmh. Voilà. Du coup, tu as cette espèce de ping-pong d'une case à l'autre. C'est vif, c'est un incendie, une explosion. C'est ça, ouais. Voilà. En changeant, bien sûr, de valeur de plan. Mmh. Et voilà le plan panoramique final. Cool. Bon, ce genre de choses... Est-ce que ça vous plaît, les gens qui regardent ? Parce que j'ai vu que des commentaires. Belle perspective, travail remarquable. C'est gentil. T'as vu, hein ? Super. On a un public positif, j'aime bien. Beau, tout ça. Ouais. J'étais sur neige. Mm-hmm. Je passe... Les grands principes sont les mêmes sur toute BD. Hein. Je reviens un truc, je suis bien là. Voilà. La différence, c'est que sur Torgal, ouais. La charte graphique est beaucoup plus contraignante, mais néanmoins, c'est au travers des contraintes qu'on s'exprime le mieux. Hein. On cherche des ressorts pour s'en sortir, donc c'est ça, c'est ce qui est vachement intéressant. Dans Torgal, il y a trois strips. Ouais. Un, deux, trois. D'accord. Et c'est tout le temps... Ça a été défini par... Par Grégor, au départ. Quand il l'a fait, il a fait trois strips. Depuis le premier tome, ou quasiment... Le premier était peut-être un petit peu plus expérimental, mais après... Il a automatisé. Et après, si on veut faire des divisions, on fait des divisions égales. D'accord, ouais. Donc tu peux diviser ton strip en deux, en trois... Et en vertical... C'est pareil, c'est trois ici, là et là.
Donc si je veux diviser ici, c'est je divise la moitié. Mmh. Voilà. Après, j'ai fait à des moments, c'était important de donner, par exemple, là ça se trouve pas le cas, hein, mais des fois, ici, par exemple sur cette case-là, j'ai juste un portrait et sur cette case-là, un paysage. Donc je diminue cet espace et je mets un plus grand espace. De la place. Ouais. Oui, de toute façon, en fait, tu fais un petit, une sorte d'assemblage de tes différentes cases, de tes... C'est ça. Mmh. Alors, juste pour l'analyse. L'œil va aller ici. Mmh. Il va suivre cette courbe. Il va descendre sur les yeux. Ici, je bloque à gauche, à droite et à gauche. Mmh. Avec une couleur opposée. L'œil va faire ça. Avec du clair, du chaud. L'œil va remonter là. Si on regarde bien... Je bloque ici aussi, donc là il va redescendre là. Et toujours, ouais, toujours une pareil. Voilà, ouais. Toujours pareil. Là le bec, bon le bec ça tombe bien, ils sont face à face, mais ça tombe bien aussi. Rien ne tombe par hasard, les choses sont calculées quand même. Bon voilà, j'ai une autre planche, mais je. Pas forcément utile, mais c'est le même principe à chaque fois. Mmh. Ouais, c'est vraiment cool de pouvoir justement. Enfin, c'est... Ouais. Vous pouvez faire l'exercice chez vous. Vous pouvez reprendre les planches et essayer de trouver l'essence de narration. Après, là, c'est juste l'image. Mm-hmm. Donc là, c'est pareil, là, le cadre dans le cadre. Et j'ai mis la lumière ici pour tricher, pour détacher le personnage. Ouais, parce que tu as toujours cette question de lisibilité. Tu parlais toujours tout à l'heure des accidents, des nœuds graphiques. Être capable de voir le personnage, c'est quand même hyper important. C'est ça. Et comme on a moins de cases dans Torgal, les animatiques sont moins compliquées. C'est-à-dire qu'on peut moins suivre les personnages, les trajectoires. Donc il faut ruser. C'est-à-dire que là, lui, il va faire ça. Normalement, son mouvement de bras, ça va être ça. Mais on va considérer que ça fait ça et que lui, ça fait ça. Ouais. Okay. Toujours dans les bons sens. Mmh. Pareil. Est-ce que tu te photographies devant un miroir pour avoir le bon sens, la bonne expression? Je sais qu'à l'atelier avec Bruno, souvent, enfin, il a fait des photos pour moi. Mm-hmm. Et là, c'est pareil. Hop, hop, il monte. Là, le personnage, je ne sais pas si vous voyez, il regarde là. Et lui, il regarde là. Donc, on est toujours raccord au niveau des raccords regard, raccords trajectoire. Mm-hmm. Et on guide. Ouais. Donc, comme ça, ton lecteur, en fait... C'est ça qui est marrant. On parle beaucoup justement d'expérience VR, de réalité virtuelle où tu deviens ton propre scénariste, mais que ce soit sur du film ou sur de la bande dessinée, tu guides énormément le lecteur, tu donnes une intention On lui mâche tout. Hein. Puis là, il y a encore un dernier truc. Lui, il regarde vers ici. S'il regardait de l'autre côté, ça ne marchait pas. Ça ne marche pas. Hop. Alors, je reviens sur les timbres poste. Les timbres poste qui sont ici. Je vais supprimer là-haut. D'un calque à l'autre, ça fait quand même un paquet d'informations à gérer. Ouais. Hop, le timbre poste hier. Bon, voilà. Du coup, c'est tous ces petits découpages, c'est la résultante de toutes les informations dont on vient de parler maintenant. J'ai pas parlé des bulles, parce que les bulles, c'est super important. C'est pour ça que j'ai pas parlé, parce que c'est super important. Il fallait que les gens le devinent. En fait, tu parlais tout à l'heure un moment de choses qu'on pouvait pas faire parce que j'avais pas de place. Ouais. Mais les bulles, ça va être le passage obligé du regard du lecteur. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'au-delà du dessin, on peut faire tout ce qu'on veut, si on place mal les bulles, rien ne va fonctionner. Tout va être bancal. Tout va être bancal. Le plus classique étant de lire la réponse avant la question. C'est ça, exactement. Et il y a vraiment un sens, de lecture des bulles. Mm-hmm. Est-ce que je suis sur un calque là ? En tout cas, chez les Occidentaux. Oui. Qui est différemment en oriental. Et, alors, par exemple, une bulle, on va dire qu'on a une case comme ça. Une bulle qui est ici et une bulle qui est là,
Là, ça va faire 1, 2, on est d'accord. Ouais. Une bulle qui est là, une bulle qui est là. Ça, c'est pas simple. Ça, c'est déjà pas simple. Donc, du coup, si c'est pas simple, on évite. Mmh. Il faut pas. Il faut que tu guides. Faut pas. Ou alors, on en met une là, une là. Et une là, on est sûr à peu près que ça fait ça. Les bulles, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas laisser le doute. Tu ne peux pas t'amuser à faire de la narration avec la Black et Mortimer, ouais, avec un panneau en dessous pour raconter ce que tu vas mettre dans ta case. Mettre une petite flèche. Ouais. Ouais, non, tu ne peux pas. Non. Donc ça et ça, on évite. Hmm. Après, il y a aussi des choses où, par exemple, si on va dire qu'on a une page comme ça. Là, on a une première bulle ici, une première bulle là. Sur cette case, on en a une là et une là. Et on veut mettre une bulle ici. Comme si, ici, c'est la case 1, ici, c'est la case 2. Mais là, il va faire ça, ça. Et du coup, il va intercepter cette bulle là, qui est sur la case et qui doit se lire après. Donc ça, c'est pareil, il faut éviter, quoi. Mmh. Sinon, au niveau des bulles, moi j'essaie aussi de placer les bulles, que sur la trajectoire entre deux bulles, il y ait l'information importante de la case. Ou un visage, une expression. Et histoire d'identifier... Ouais, très rapidement. Ouais. Et Bruno comprend plus rien. T'entends toujours le sifflement, Bruno ? Ouais, c'est normal qu'il comprenne rien. Mais de toute façon, il fait la couleur. C'est ça, il passe après. Il passe après. Une fois que c'est réfléchi et organisé, on peut mettre la couleur dessus. C'est pas important qu'ils comprennent ça, en fait. Ok. Je ne me permettrai pas si je ne connaissais pas. C'est ça. Pareil. Donc, du coup, voici notre fameuse page storyboardée. Ça commence à faire du monde. C'est, voilà. Donc là, on a quitté le timbre poste. On a quitté le timbre poste. J'avais fait, si vous regardez, là, j'ai le petit schéma ici. Qu'est-ce qu'il dit, Bruno ? Il dit qu'il est toujours là. Ah, voilà. Il dit oui, je suis toujours là. Arrêtez de parler de moi, je suis dans la pièce. Première case. Deuxième case. 3 et 4. 3 et 4. Voilà. Pour ceux qui se demanderaient ce qui se passe, oui, j'ai eu la question tout à l'heure. Si vous débarquez maintenant, ça fait une heure et demie qu'on est avec Fred. Ouais. Bon, on fait une partie 2 ou... Je sais pas, c'est à toi de voir. On est bien lancé, il fait pas encore trop chaud, mais ça dépend combien de temps tu... Il reste beaucoup de choses quand même. Il reste beaucoup de choses. Il reste beaucoup de choses. Voilà. Mais donc ouais, pour ceux qui débarquent seulement maintenant, vous êtes sur YouTube, donc vous avez tout en bas de votre YouTube, en plus du chat, moyen de revenir avec la barre rouge, il y a le replay sur le direct, hein, donc vous pouvez revenir à zéro, tout ça. Posez pas des questions si vous êtes sur le replay, ça marche moins bien. On va rien comprendre et se demander pourquoi vous nous parlez de ça. L'URL reste valide par la suite, il n'y a pas de souci. Si tu veux, on fait une partie 2, moi j'ai pas de... T'as pas de contraintes ? Pas de contrainte. Wow. C'est vrai qu'une heure et demie, le temps passe vite. T'as vu, on t'a pas vu dessiner du tout. On m'a pas vu dessiner. Si, je fais des petits rectangles là. T'as fait beaucoup de petits rectangles, de petites flèches. Ouais. Mais c'est plus important en fait. Quand on sait faire les petits rectangles et les petites flèches. Derrière, t'as ton découpage et c'est comme tu veux. On avance un petit peu. On avance un petit peu. Parce que toi, tu voulais quoi derrière ? Après, derrière j'ai 2-3 cases. Ouais, j'ai surtout après d'autres documents où je fais de la couleur. Et ben on va se faire une session couleur prochainement. Ouais, on fait une session couleur. D'accord. Ouais, on fait une session couleur. Et ok. Alors, le storyboard que j'ai fait, le voilà. Par rapport à. Bon, je sais pas, est-ce que je remontre un petit peu ce qu'on avait avant ? Je vais remonter le script au-dessus, comme ça on l'aura au-dessus. Hop, je suis où ? Timbre poste, je suis encore au-dessus. Le story, hop, il est là. Ouais, mais ça ne sert à rien.
Alors, case 1. Panoramique. Mmh. C'était la case d'exposition. Nos personnages sont ici. Ils arrivent par là. Là, ce sont les bateaux. Mmh. Desquels vont sortir les personnages en bleu de la secte. Là, on est sur les personnages, avec les dialogues. Ici, les personnages vont se diriger vers là, on va les retrouver ici. Donc ça, c'est super simple. Pour la démo, il vaut mieux rester simple. Mmh. Donc comment on en arrive là? Puisqu'on va faire un petit peu de manip. Ouais. Manip toute simple. Je vais passer dans le document suivant. Ça, c'est mon petit canevas, je vous le montre, pour mes timbres poste. Dans lesquels je dessine. Donc je me suis déjà fait un petit canevas mal fait. Avec la case 1, la page 1, je veux dire. 2, 3, 4, 5, etc. On commence toujours, l'album commence toujours par la page de droite. Hein. Ouais. Celle-là, il n'y a rien. Donc là, ça me permet de les avoir en vis-à-vis. Et je griffonne là-dedans. Ça, c'est pour les timbres poste. Pour le storyboard, voici comment se présente le storyboard. Le document fait du 300 dpi ou du 600 dpi, ça dépend si je veux déjà commencer à travailler dans le format final. Mm-hmm. Mais on va dire que c'est du 300 dpi. J'ai l'endroit où je vais dessiner toutes mes cases. J'ai là où je vais mettre au-dessus mes marges et mes bulles. Mmh, ouais. Là, j'ai les textes avec déjà une bulle pour avoir au moins le gabarit et le format, le bon format de la police de caractère. Là, j'ai mon numéro de case qui s'affiche en bas. Mmh. Et là, j'ai la version finie que je montre pas. On verra. Là. Alors, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver ? On attaque d'abord par, par les cases. Hein. On va faire les cases. Alors j'ai du blanc là. Où est-ce que je peux enlever du blanc ? Il doit être là le blanc. Hop, voilà. Bordure et marge. Alors ça, je sais qu'on a présenté aussi. Je vois ton organisation de calques, de dossiers, de couleurs, etc. Mmh. J'ai reçu Stéphane Baril qui tenait la chaîne auparavant. Qui avait écrit tout un bouquin sur l'organisation. Ça vient de lui, ça. Ça vient de lui, ce morceau-là. Ah, mais, enfin customisé. Ouais, bien sûr, c'est lui, les codes couleurs. Peut-être aussi. Ouais, parce que je sais qu'il avait fait une extension avec des scripts d'action dans Photoshop pour automatiser ce genre de travail. Mm. C'est vrai que c'est un truc, on pense, ouais, Photoshop, tu fais le dessin, on n'en parle plus, mais le fait d'être organisé, de ranger, d'avoir toujours tes traits sur le même niveau de calque, les couleurs, parce que les bulles aussi, tout simplement, le fait qu'elles soient séparées du reste du dessin, ça va te permettre de traduire ta BD, par exemple. C'est de ça. Faire corriger ta BD sans avoir à faire du découpage de lettres d'une planche à l'autre. Oui. Alors moi, j'ai tendance à dire que comme la bulle fait partie du dessin, c'est le traducteur qui va se démerder d'enlever la bulle. Tout à fait. Et ça fait faire du dessin dessous, sinon. Alors, bordure et marge. Je me mets avec l'outil sélection en rectangle. Mmh. Et moi, j'ai déjà mes... je ne sais pas si vous voyez, j'ai des repères. Tu as déjà des repères qui sont tracés. J'ai des repères tracés qui correspondent à mes marges. Comme sur Torgal, je n'ai pas de fond perdu. Je n'ai pas à avoir une petite marge en plus supplémentaire qui va être coupée de 5 mm. Ouais. Ouais. Donc, je capture mes marges. Comme je suis en magnétique, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul... À l'ergonomie près. Les marges, ça va être les mêmes sur tout l'album. Donc là, je remplis. Est-ce que je me suis mis dans le bon calque? Bordure et marge, je vais remplir. Avec le pot de peinture. J'arrive à le voir. Là, il passe. Peut-être plus de pot de peinture, peut-être qu'il est vide.
pot de peinture à vide. Mmh. Alors, pour faire le pot de peinture, sinon je vais faire. Ils sont remplis, hein. Voilà, on va faire ça, hein, puisque j'ai plus le pot de peinture. Gna gna gna. Je vais mettre en blanc, puisque les marches sont en blanche. Édition. Remplir. Ok. Il n'y a pas de pixels source assez opaque. T'as fait remplir comment ? Remplir avec du contenu pris en compte. Pour l'instant, il ne voit rien du tout. Donc avec du blanc. Mmh, avec du blanc. Du blanc. Allez, ok. Ok, okay. Donc comme ça, t'as bloqué ton dessin. T'es sûr que j'ai bloqué mon dessin, ouais. Alors là, c'est tout simple. Vous pouvez vous apercevoir qu'il y a déjà la petite ligne. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet de calque. Ah. Il y a contour. Le contour qui fait 4 pixels. D'accord. 4 pixels. Donc, à cette échelle-là, je considère que c'est... l'entrée de rotring de 0,04, ça correspond à ça. Ça correspondra à ça. Voilà. Après, je prends l'outil ligne. Je désélectionne. Je me mets là. Hop. On avait dit, par contre, que j'étais au milieu, ici. Hop. J'avais mon panoramique là, et là j'ai mon repère, je suis ici. Voilà. Donc ça se fait pas tout seul mais pas loin. Pas tout seul mais pas loin. Et puis si je veux décaler la ligne vers le haut, je sélectionne. Hop. Je sépare. Je resélectionne ici. Hop. Et ça se fait tout seul. Du coup, tu as tout de suite ton organisation de cases. Voilà. Et alors, ça, je vais le garder jusqu'au bout. Donc, il faut bien le faire. Viviane demande s'il n'y a pas un peu d'Illustrator là-dedans. Non, du coup, toi, tu restes dans Photoshop. Moi, je suis dans Photoshop tout le temps. Alors, là-dessous, pour le storyboard, je me mets dans... Je mets quelques blancs. Hop, je vais... rapidement, avec un... mon petit outil crayon, j'y suis déjà. Là, je sais que je vais avoir mon personnage ici, qui va regarder par là-bas. Ça, c'est le singe, hein, on est d'accord, mmh, hein, avec ouais, les petites qui oreilles. Est posé sur son épaule. Hop. Là, le personnage de Louvre. Mmh. Là, je le fais très rapidement. Comme c'est du board, c'est pas utile que ce soit vraiment super bien défini. Hein. Et puis ça tombe bien. Hein. Oui, c'est de toute façon, tu peux toujours affiner ton dessin, tu peux revenir dessus. Tout est sur des calques, tout a moyen de bouger. Oui, c'est ça. Tout peut bouger. De toute façon, quand on dessine en démo, c'est toujours l'effet chaussette. L'effet chaussette. Tu vois, alors, je ne connais pas l'effet chaussette. Non, non, vas-y. C'était Simonetti qui avait fait son dragon chaussette. J'appelle ça l'effet chaussette. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Donc le trait est un petit peu mou et parfois dépareillé. Voilà. Et que tu retrouves pas au fond, que tu retrouves au fond de la machine. Alors, moi j'ai disposé, comme je fais beaucoup de noir et blanc, j'ai la touche pourcent à droite comme et qui est à côté des touches d'augmentation et de diminution de la taille de forme. D'accord, comme ça tu les as tout le temps. Je les ai tout le temps et j'ai ma petite bascule à droite là. Uh-huh.
et qui permet, c'est le W normalement, hein, il me semble, le W, je l'ai mis sur le pourcent, qui permet de switcher couleur, couleur arrière-plan, couleur, couleur premier-plan. D'accord, comme ça tu gardes la main que, vraiment au même endroit. J'ai pas besoin de faire E pour gommer, je suis en blanc, en noir, en blanc, en noir, blanc, en noir tout le temps. Après, j'ai la... Non, j'ai la bascule ici sur F2. F2, ouais. Hop. Donc, j'aime bien splitter aussi pour voir. Et on va diminuer l'opacité. Et on va faire un dessin un petit peu plus sympa. Comme c'est un board, on n'a pas besoin d'aller très loin. Hein. Par contre, ce dont tu as besoin, c'est effectivement de placer tes masses, réfléchir à tes couleurs. Le cadrage est bon. Le cadrage ne doit plus bouger après. Bon, on aura compris. Donc je reviens de l'autre côté. F2 ou F1 F1. Et alors ça, c'est avec la nouvelle fonction de, oui, de la carte graphique de Photoshop qui, oui, est cool. C'est quand même vachement bien. T'as vu, hein? Pour ceux qui n'auraient pas compris, ça va me faciliter la vie. Pour les gens qui font peu de dessins ou qui n'avaient pas l'habitude de ça, lorsque vous composez une image, en fait, il y a toujours ce moment où vous êtes en train de vous dire est-ce qu'elle est bien orientée, est-ce qu'elle est bien symétrique, etc. Et pendant très longtemps, tous les illustrateurs que je connais s'étaient fait un petit raccourci. Mmh. Et le raccourci, en fait, il convertissait tout votre document Photoshop et il mettait tout en symétrie horizontale. C'était pas du hardware, c'est du software. Ça prenait du coup du temps. Ouais. Si vous aviez une planche, c'était rapide. Si vous aviez 75 calques, ça prenait le poids de chaque calque. Et là, ils l'ont rajouté dans les options d'affichage. En fait, on peut juste switcher et ça se fait à la carte graphique. Donc, c'est plutôt, plutôt pratique. Alors, du coup, maintenant, on va positionner les textes. Alors, pour positionner les textes, il me faut le texte. Alors, le texte, c'est pas bête, hein. Alors, le texte, je l'ai mis. Tu l'as mis dans le calque 1 de ton document d'avant, ouais, mais je cherche mon document. Ouais, je vais prendre là, avec le PDF. Ah, voilà, il est là. Ah. Donc, ça, c'est mon document graphique avec le scénariste qui a fait ça sous Word. Donc, c'est super, j'ai plus qu'à capturer mon texte. Donc, case 2, hop, le texte. Il est là. Il faut qu'il soit d'accord pour le copier. Il faut qu'il soit d'accord. Ah, j'entends l'appel de la fin. L'appel de la fin, ça commence. Je sais pas si elle est passée au micro. Hop, je copie. Je reviens dans Photoshop. Là, ici, dans mes textes, j'ai déjà un texte préalablement formaté que je vais récupérer ici. Hop. Voilà, le petit texte qui est dans une boîte de texte. Vous voyez ? Hop. Et je vais tout simplement y copier mon texte. Voilà. Et du coup, ouais, tu as déjà le style. J'ai le style, j'ai la taille de police, j'ai tout. Mais est-ce que tu te fais dans ces cas-là, toi, sur Photoshop, des styles de paragraphe, styles de caractère ou pas du tout ? Non, j'ai deux polices. Une police pour les onomatopées et celle-là. Ouais. D'accord. Alors, les bulles, pour les positionner, il faut qu'elles soient jolies. Alors, soit on fait ça old school, c'est dans des ballons. Hein. Ouais. Mais Torgal, les bulles de Torgal épousent le contour du texte. D'accord. Donc, on n'est plus conditionné par le fait que la première ligne soit plus courte et les deux autres, et les autres moins courtes et la dernière plus courte. Mmh. Il suffit que c'est dans un ballon. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. Malgré tout, on a quand même certaines habitudes. Et puis, moi, j'aime bien aussi aérer
les bulles. Donc là, cette partie-là, je vais l'enlever de la bulle, parce que sinon, la bulle est trop compacte. Et ce que j'aime pas aussi dans les bulles, c'est quand elles se terminent par un petit article. On a ouais. l'impression qu'on a, on a fait la bulle et qu'on n'a pas su comment la dimensionner. T'aimes bien garder ouais. l'entité article et nom. C'est ça. Donc du coup, je vais couper à la fin du point d'exclamation. Là, le chassé, c'est un mot complet, c'est bien. Et le que tu, eh ben, on va voir si ça marche si je le mets en bas. C'est pas trop mal. C'est une bonne tête de bulle. Je peux même, si je veux, choisir cette ligne-là. Aller dans l'éditeur de texte et la mettre à 95 si je veux. Ça a marché ou pas? 95. Ah oui, je suis des jambes. Ah, mais ce qui va peut-être pas, c'est que je suis en majuscule depuis le début. Voilà. Et par contre, là, je le remets à 100%. On est bon, on est bon. Voilà. Je sais pas si vous voyez la bulle. Elle est à peu près bien disposée. Et du coup, il y avait l'autre partie de la bulle. Je ne vais pas la mettre, hein, par souci d'économie, de temps. Je prends le lasso main libre. Je me mets dans bulle. Et je fais... une belle bulle avec une petite flèche que j'ai ratée. Et tu peux refaire autant de fois que tu veux. Voilà. Je remplis avec du blanc. Alors il y a Romain qui demandait, tu l'as eu où? Tu l'as créé toi-même ton broche crayon? Donc tout à l'heure tu disais que c'était pas mal c'est, de trucs de Kyle. C'est pas mal de trucs de Kyle, le crayon je sais plus d'où il vient. Désolé pour l'info. Ouais, non mais c'est pas grave, c'est... Alors, je vais refaire remplir parce que je sais pas pourquoi le pot de peinture ne fonctionne pas. Il doit y avoir un truc bizarre, oui. Ok. Et donc, vous voyez que comme pour, les marges, il y a la bulle. Il y a directement le contour qui est présent. Ouais. Ce qui fait que tu es sûr qu'elle va être, stable sur. Elle va être stable. Et alors, la bulle, je l'ai mal faite, mais non, c'est pas que j'ai mal faite, c'est que dans ton regard, elles sont comme ça, elles sont un peu tremblotantes. Bon, après, je peux les lisser un petit peu mieux. Hein, mais, de toute façon, ça marche de la même façon avec une bulle rectangulaire. Ouais. Alors. Attends, ça doit être quoi ce truc, édition, remplir, ok, voilà, je peux même rajouter la bulle après. Et pour la typographie des bulles, c'est une typo que tu as fait, c'est une typo qui est utilisée dans Torgal. C'est la typo Torgal. D'accord, donc qui a été réalisée il y a longtemps. Ouais, sinon, moi, pour mes BD, je m'en étais fait une, c'était une comics sans MS que j'avais customisée, j'avais rajouté les accents. Ils ne sont pas sur la... C'était une police, il n'y avait pas d'accent. Ouais, c'est étonnant. Bon, voilà. Et après, une fois qu'on a fait ça sur toutes les cases, on a ça. Bon, c'est bien, là, 2 heures pour juste deux petites astuces, c'est pas mal. C'est ça. Non, je pense que tu as donné énormément de métiers, énormément de contenu au départ. Oui. Mais que du coup, on se refera une session. On fait la prochaine couverture et tout ça. Ouais, carrément. Ça marche. Est-ce que ça vous a plu, les gens? Est-ce que vous êtes content d'être arrivé là, d'être resté jusque-là sur l'album? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se revoie avec Fred prochainement pour finaliser tout ça? Un petit oui, un petit non dans le chat. Hyperlite qui nous dit il n'y a pas de retard, il n'y a que des lectures différées. Oui, tout à c'est fait. C'est pas mal. C'est des réalités parallèles. Oui, c'est des trous de verre. Oui, il y a beaucoup d'infos, mais je pense que c'est important en BD de savoir tout ce qu'il y a derrière. C'est pas juste du dessin comme ça. C'est ça, c'est pas juste, t'es le premier de la classe, tu dessines trop bien, c'est voilà, trop cool. Voilà. Il y a quand même un petit peu d'analyse, et puis surtout, on a des lecteurs en face, donc il faut comprendre comment les lecteurs fonctionnent pour pouvoir bien leur proposer quelque chose d'intéressant. Du coup. Ouais, tout à fait. Franchement top, complètement top. Bon. Visiblement, vous êtes plutôt content. Bon, ceux qui sont restés juste là, de toute façon... Si vous êtes restés, c'est plutôt bon signe. C'est que c'est bon. Donc, je vous ai mis au fur et à mesure, j'ai vu qu'Alexandre, qui est arrivé un peu plus tard, avait complété avec quelques liens. Je vous ai mis des liens sur tous les points clés, sur les précédentes sessions, vu qu'il y avait Ronan et Alexis qui sont déjà venus. Eux viennent du concept art. Ils sont déjà venus, donc j'ai mis leur session aussi au passage. J'ai vu qu'Alexandre avait passé le lien de Stéphane sur la colorisation de BD,
de Virginie sur la colo BD, pareil. Stéphane, c'était sur le livre et les astuces. Virginie, c'était une session dessin. Content que ça vous plaise. Yes, c'était top. Super session. Et avec plaisir pour la session couleur. Je crois que tu es tenu de revenir. On va prévoir ça. On va prévoir ça tranquillement. Il durera 3 heures et après on fera une session. C'est ça. Mais par contre, alors, petite annonce, hein, sur, lorsqu'on fera la session couleur, on ne vous refera pas tout son historique. On le fera tenir dans 10 minutes. C'est ça. En vous disant, regardez les deux premières heures. Ou alors on passe ça en 10 minutes. Alexis souhaite être comme toi quand il sera grand. Oh, c'est gentil. Je sais pas. Hein. Tu penses pas que c'est... Il me connaît pas bien. On y réfléchira. Et Bruno dit oui. Oui, pour la session couleur. Allez, et bien sur ce, merci beaucoup. Frédéric. Merci à toi. Merci à tous. Merci à vous. Vous avez tous été très cool sur les questions et tout, ça nous a permis de bien avancer. On se retrouve donc mardi en matinée, donc dès 10h, de 10 à 11 pardon, et de 12 à 13. Et à 12h, je recevrai Anna Vanda Gaugusset. Voilà, je vous raconte tout ça. Vous êtes tous, bien entendu, déjà abonnés à la chaîne YouTube Adobe France, j'ai pas besoin de vous le redire. Si c'était pas le cas, faites-le. Ne serait-ce que pour avoir les petits rappels pour les directs. Ça existe et c'est pratique. Sur ce, à très bientôt. Au revoir.